lutter ensemble. Faisons nous dans le combat ensemble. Y'en a l'autre, y'en pour l'autre, c'est forcé ensemble. C'est pays Guadeloupe qui plie important. Pour nous, c'est lui qui s'est auto-mitant. Pour nous, qu'on y est fort, nous qui mettez ensemble. Faisons nous dans le combat ensemble. Nous qui aux élections régionales en juin 2021. Élection régionale en juin 2021. Ensemble, pour gagner fort, nous mettez ensemble. Faisons nous dans le combat ensemble. Y'en a l'autre, y'en pour l'autre, c'est forcé ensemble. C'est pays Guadeloupe qui plie important. Pour nous, c'est lui qui s'est auto-mitant. Pour nous, gagner fort, nous qui mettez ensemble. Faisons nous dans le combat ensemble. Ensemble, c'est pays Guadeloupe qui brille important. Pour nous, c'est peuple qui faut tout mille temps. Pour nous, gagner fort, nous qui ensemble. Ensemble, nous qui aux élections régionales en juin 2021. Nous, Guadeloupéens, toutes pommes. Chômés, travaillés, patrons, autonomistes, indépendantistes, nationalistes. Nous œuvrons à l'émergence de la nation Guadeloupe. Pour nos enfants et pour nous-mêmes. Nous, Guadeloupéens, toutes pommes. Chômés, travaillés, patrons. Vous rejoindre pour ce live. Aujourd'hui, présentation, nous continuons la présentation de notre programme volet formation et culture. Mais comment parler de la formation et de la culture sans parler de la jeunesse? Alors, la mouvance jeunesse se permet de venir se présenter à vous ce soir, nous expliquer qui est Décathlon, nous, pourquoi nous là, pas d'avoir nous constater que bien souvent, il y a qu'à parler de jeunesse et tout le monde qu'à parler de jeunesse, sauf jeunesse.
Donc c'est un mot que pour mes camarades qui sont là ce soir que je n'aime pas utiliser parce que finalement un peu galvaudé et un peu fourre-tout. Mais en tout cas ce soir, on essaiera de vous faire ressentir des palais basotes et des montrisotes qui tiennent un paquet de jeunes en pays là, qui douboutent, qui décident et qui ont envie que Nation Guadeloupe vrai joue. Alors pour ce faire, ce soir autour de moi, il y aura beaucoup de monde. Vous allez voir, nous on fonctionne plutôt en dynamique et en groupe et pour le collectif, comme d'ailleurs le mouvement auquel on appartient ici à l'ANG. Et sur la liste, nous, vous verrez aussi que les moins de 35 ans, en tout cas 35 ans pour le coup, parce que moi j'en ai 35, sont relativement bien représentés, mais aussi ont des choses à dire, ont des choses à défendre. Et donc pour ce faire, ce soir, on accueille pour commencer Julie. Bonsoir. Ça va Julie ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien. Alors je sais que Julie, elle est en mode pagadée comme ça. Quand elle est un peu diesel, ça n'a pas encore commencé, mais quand elle va commencer à parler, Julie, alias Julie Moon, va certainement mettre de l'ambiance. On continue à vos côtés, tous de rouge vêtu également, mesdames. Je ne sais pas s'ils auront combat, mais en tout cas de rouge vêtu. On a Vika. Vika Nankin, je crois qu'on peut dire ça parce que c'est important. Comment allez-vous, madame ? Impeccable, Annecy. Ça va bien ? Impeccable. Ok, motivé et tout ? Très bien, très bien. Je sais que Vika est un petit peu stressée aussi, mais ça va aller, ça va aller. Et bon, ben, moi, là, par contre, on passe à quelqu'un qui n'est pas du tout stressé, monsieur Livio. Oui, Annecy, nous pas stressés. Nous bon ? Nous vîmes bailler la voix. Nous vîmes bailler la voix ? Oui. Ah ben justement, Livio, tu as, je vais dire, la tâche de commencer. Je disais qu'on vient se présenter parce que c'est important. On va commencer avec une première partie qui est celle, finalement, des expériences personnelles, qu'on comprenne un peu qui on est, d'où on vient. Nous pas arriver comme ça et puis dire, ouais, voilà, la jeunesse, c'est ça, et puis nous qu'à défendre des bitins, nous qu'est vrai à travers expérience en nous et qui est mieux placé que nous-mêmes pour vous le faire comprendre et pour vous faire comprendre notre réalité ben, que nous jeunes. Et on va commencer avec toi, Livio. Sur ton expérience, explique-moi un peu et que les gens qui nous regardent aussi comprennent d'où tu viens, pourquoi, comment ça s'est passé, quelle est ta réalité aujourd'hui dans le pays Guadeloupe. Mais écoute, Andy, bon, là je vais m'adresser surtout à nos compatriotes guadeloupéens parce que moi ce dont j'ai envie de parler, c'est vraiment de l'amour de la Guadeloupe. Moi, aimer Guadeloupe, aimer Guadeloupe, et c'est pour ça, là je dis là, dans tout combat initié en réalité, à dans vie en main. En rendant compte que ça a été très humain, ça a été très pour moun, mais surtout pour moun en Guadeloupe. Et ben, à travers ça, qu'a fait professionnellement parlant, bon, moi, créé un maca fouette. C'est Tifouetta. Et engagé-moi dans un combat de transmission et de mise en valeur de la culture guadeloupéenne. Parce qu'on voit que bon, nous n'ayons l'obitain, on l'a richesse en l'entour en nous, mais nous pas qu'à exploiter, nous pas qu'à développer, éveiller. Moi, on décidé de. À un sens contraire, on dit non, V.1 qui mettait en valeur. Et en fait, au moment, trouvez-moi dans une position qui a dit, mais ça belle de dire qu'on a porté un gomme pour Guadeloupe, mais ça a limité. Ça a limité. Nous tous trouvons-nous dans la même position. Là. Que nous trouvons-nous au moment, ça a limité, pas d'avoir, nous pas décider quand nous payer, quand nous payer vraiment pour payer en nous. Et vient un moment où on a dit, pour merci, en fait, nous voulons aller plus loin, nous voulons reprendre Guadeloupe. Mais il y a un moment où il faut prendre la place, faut qu'il fait travail là, qui pour faire, en fait. Et vient un moment là, que on a parlé moi de l'ANG, et on a dit, pour mais ça bien, mais est-ce qu'il y a une gêne dans ça? Et finalement, on a trouvé nous ensemble. Quand on a découvert, en 3 mois, passé d'un monde qui n'a pas été croué dans la politique, pas été 4 électorales. Qui pâté si ça du tout. Pas une carte électorale. Alors, pâté qu'à voter, pâté qu'à discréditer ces mounas. Et quelqu'un fait jour d'ijou que ou t'in katao et que ou même engagé. Zot. C'est-à-dire, pour mouné kagade nous. Zot, et c'est nous finalement. Mais en tombé, en rencontrer des mounas qui parlaient là de l'ANG, qui parlaient surtout de la mouvement jeunesse, en t'es qu'à parler avec des mounas, mais en t'es qu'à sentir tout seul là de ça, en t'es qu'à. Qu'on a des convictions en moins et là, on rencontre avec des gens qui n'ont les mêmes convictions, qui n'ont les mêmes engagements. Là. Et on a trouvé ça magnifique. Et c'est de là qu'on a évolué, on a dit qu'on a évolué, on a grandi à dans tête en moins et on prend d'autres larelles. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a d'autres chemins pour faire et là, on rencontre avec des gens comme ça, et bien. Vous obligez. Aujourd'hui, on a des électeurs et on a voté. On a convaincu et on a fait voter.
Parole, quand on a mené parole, Livio, nous nombreux, nous pas ni, on l'autant, si vous tenez, on t'y dit 10 secondes pour parler, bah, peuple là, pour dire, pourquoi c'est important pour d'aller voter et de voter nous, quand on t'y dit. Parce que nous ensemble, et c'est ensemble, nous voulons construire Guadeloupe, donc à part, vous voyez, qui d'autre solution qui ni qui de fait ça. Excusez. Ça net et ça propre, bien merci. nous qui laissons à échanger, Livio, et nous qui continuer vers Julie et Vika. Julie. Donc on a vu l'engagement de Livio, il nous explique un peu quel est ton parcours à toi. On rappelle, tu es en quatrième position sur cette liste, ça a été un combat aussi, mais pour nous c'est une fierté parce que tu nous représentes comme il se doit. Oui, tout à fait. Je reprends les propos de Livio. La Mouvement Jeunesse, c'est un groupe à l'intérieur même de l'Alliance Nationale Guadeloupe où il y a la solidarité qui prime. Et au départ, nous n'étions que trois, donc Livio, Dico et moi. Lors de la première conférence de la ONG à laquelle j'ai participé, je t'ai rencontré d'ailleurs, tu étais volontaire aussi pour être présent sur la liste et j'étais impressionnée par ton discours. Nous n'étions que trois et en fait l'ONG était un mouvement très jeune, qui se disait jeune, mais je voyais très peu de jeunes de moins de 35 ans et c'est pour ça qu'on était dans la dynamique avec Livio et Dico de vouloir rassembler la jeunesse vraiment. Je vais prendre une anecdote dans mes expériences. J'ai une mère guadeloupéenne, un père franco-vietnamien. Je vais parler d'un de mes voyages au Vietnam où j'ai eu l'occasion d'être accueillie par une famille de Hmong en fait. Et les conditions de vie, la maison étaient totalement différentes en fait de ce qu'on peut connaître en Occident et même ici. Il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas de gazinière et en fait ça m'a changé totalement. J'ai pris conscience en fait que on vivait dans une société de consommation. Quand j'étais au Vietnam, je faisais mes études à Paris à l'époque et je consommais à outrance. C'est certainement pour combler un vide en fait. Et ce vide-là, j'ai voulu arrêter de le combler avec des biens matériels et je suis rentrée en Guadeloupe. C'est pour ça que j'ai pris la décision de rentrer, j'ai créé une association. Et en fait, je veux rebondir sur le fait qu'il y a des personnes sur Terre, notamment cette famille qui m'a accueillie, qui vivent dans des conditions différentes. Je ne dirais pas qu'ils sont misérables, mais ils accordent beaucoup d'importance à la simplicité. Ce sont des gens qui sont heureux. Et ils m'ont permis de sortir de ma zone de confort, clairement. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que ça m'a changé radicalement. Et c'est exactement ce que je suis en train de revivre aujourd'hui avec l'ANG et mon engagement sur la liste Nous, parce que je sors tous les jours de ma zone de confort, notamment ce soir, pour m'exprimer devant toute la Guadeloupe. Donc, c'est très bien, on a besoin de ça et tu le fais bien. Ce sont des expériences, en tout cas, que je souhaite de vivre à tout le monde. Et c'est pour ça que je suis contente d'être parmi vous ce soir avec la Mouvement Jeunesse. Et j'espère qu'on va aller très loin avec le projet qu'on propose en politique aujourd'hui. Nous qui allons loin, assurer, pas peut-être, même exercice que pour Livio, tu as 10 secondes. Si tu devais t'adresser aux personnes qui nous regardent, qu'elles soient un peu plus convaincues de nous rejoindre dans cette belle aventure. Alors je vais m'adresser principalement aux jeunes. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à travers mon parcours que beaucoup de jeunes étaient désintéressés de l'action politique. Et je veux leur dire ce soir qu'on fait de la politique tous les jours. Je parlais des choix de consommation, c'est vrai, en consommant local. Tout le monde le répète, mais c'est quelque chose qu'on peut faire et c'est grain de riz, café, sac de riz. Du coup, à n'importe quelle échelle, on peut apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est ce que j'ai envie de dire parce que tout le monde peut être engagé aujourd'hui, peu importe les actions qu'on fait. C'est grain de riz, café, sac de riz. On va retenir ça, c'est important. Merci Julie. On te laisse aussi aller de l'autre côté. Tu connais la procédure. Merci. Et on continue. C'est le rôle que j'ai ce soir. On continue avec Vika. Alors, on parle beaucoup de la mouvance Jeunesse, Vika. Toi, tu étais là aussi depuis le début. Peut-être quelques mots qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et ensuite, ben, ton engagement aussi. Et puis, avec le nom que tu portes, forcément, comment ça se traduit aujourd'hui en Guadeloupe? Alors, je vais commencer par dire que je suis heureuse d'être avec vous ce soir, d'être avec nous. Je suis contente d'avoir embarqué dans le wagon de l'ANG et dans le bolide de la mouvance Jeunesse. Contente, comme disait Livio hein, tout à l'heure, contente d'avoir rencontré des jeunes qui ont la même dynamique, qui pensent pour le pays, qui se projettent dans un avenir en Guadeloupe et pour la Guadeloupe. Et... Alors, si j'ai embarqué dans ce wagon-là, au-delà de mon histoire, c'est que je ne peux pas vivre sans vivre l'émancipation de mon pays.
Donc pour moi, il m'a semblé évident de vous rejoindre en fait, hein, et d'être là ce soir. Alors, je ferai comme, comme Julie. je parlerai de mon expérience personnelle. Alors c'est vrai que je suis maman d'une petite fille de 7 ans et je ne conçois pas que mon enfant n'ait pas le choix ou en tout cas le droit de prendre position et d'être actrice dans son pays, de prendre place dans des postes de responsabilité. Alors, je ne suis pas raciste, hein, mais là, regardez, tous ces postes à responsabilité en nous, c'est moun vini. Et pour moi, c'est important qu'elle nous goumet à présent pour Timoun en nous, qu'elle nous goumet pour demain, et qu'elle nous fait payer l'avancée. Et pour moi, nous qui est rivé ensemble, hein, c'est ensemble nous qui arrivé. Et vous savez, on est stressé au soir là. En émotion. Émotion au soir là parce que c'est on. Ça qu'a concrétisé. Ça qu'a concrétisé et pays Guadeloupe t'a fait douvant. Et en comptant être là, Andy. Ah, mais en c'est... En fait de mots, moi, dans ça. Non, Yvonne, ça belle tout bonne nuance. C'est ça, c'est... Je crois que tout au long de la soirée, là, pas inquiété pour ça, tout au long de la soirée, là, c'est ça, nous venons faire. Nous venons parler avec elle en nous. Nous venons parler parce que c'est important. Vika, son monde qui là, il a traversé un long bitin. Donc, quand vous là comme ça, mais c'est de bout de piquant. Ils sont long l'amour. Et c'est ça, nous venons partager parce que a pas rien qui parle. A pas rien qui parle. Puis là, Loïc, tu peux avancer. On continue avec... Alors, oui, pardon, tu avais été... Dit... J'ai pas eu mes 10 secondes. Hein. 10 secondes. Ah, c'est mais on va mettre plus long, quoi. 10 secondes, je t'en prie. Alors, qu'est-ce que je vais dire pendant ces 10 secondes? Le compteur a déjà commencé à mince, alors. Ça tourne. Bon, alors, Capouandi... Ta caméra est en face. Alors... Bon, on voit encore réfléchir, on voit... Bon, 10 secondes à en passer. Merci. Bon. Merci, Vika. Votez-nous. Nous allons continuer. Pas de problème. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Pas inquiété. Nous allons continuer avec Laure. Laure qui nous a rejoint. Alors, tu es dans la mouvance, je veux dire. C'est quelle énergie, quelle dynamique. Laure, engagement en jeu de là. Encore quoi que vous aussi, vous pouvez imaginer tout ça. Et pourtant, ou là et ou bien là. Alors, mon engagement, c'était... je suis rentrée en Guadeloupe, je travaille pour un Guadeloupéen et ça me semblait très, très bien et suffisant. Maintenant, c'est plus possible. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu de la culture, des associations culturelles, audiovisuelles, bref, une vraie implication dans le tissu. Et quand on me parle de l'ANG, je dis, mais non, je ne veux pas aller dans l'ANG. L'ANG pour faire quoi? Moi? Oh. Donc, l'ANG, ce n'est pas possible. Mm. Pourquoi? Parce que c'est politique. On raille ça. Et pourtant? On raille ça. Mm. Les gens se disputent à la télé comme des enfants dans une maternelle, on ne peut pas aller en ça. Je zappe. Par contre, là où ça a changé, c'est que si je n'aime pas ce que je vois quotidiennement, je ne peux pas rester là me plaindre et puis dire après, ben, j'aime pas, débrouillons. Je vis aussi sur ce territoire et donc du coup, j'ai aussi une responsabilité. C'est déjà politique de gérer des associations culturelles, c'est déjà politique de dire je rentre en Guadeloupe, je travaille pour un Guadeloupéen. Et c'est aussi politique de dire, moi, je consomme local. Donc, Jacques a fait politique. Qui parole inutile est ça? Donc, ça a changé. Ça a changé dans ma vision. Et m'impliquer, c'est finalement de dire, on peut tous le faire. On joue déjà dans le jeu. On est déjà dans le game, mine de rien. 34 ans, je lâche mon emploi, je crée ma boîte. Tu es déjà dans de la politique. Tu es dans le conseil en fiscalité, optimisation fiscale. Voilà, c'est de l'optimisation fiscale. et puis, c'est surtout aider les particuliers et les petites structures à se structurer, mine de rien, et à réussir à grossir aussi. Si, notre tissu économique, c'est des petites structures. Hein, donc, si on s'entraide et qu'on arrive à faire quelque chose pour que le petit tissu économique, qui finalement est le plus gros pourvoyeur d'emploi, en fait, chez nous, si on arrive à les sécuriser, on va certainement réussir à sortir de cette économie un peu complexe qu'on n'aime pas trop. Alors justement, aujourd'hui, ton engagement, si on voit qui est quand même particulier, c'est que vous avez dit ou qu'a senti que chimé à autonomie, à indépendance, hein, c'est nous juste là en tout cas, c'est la règle pour payer la paix. C'est complètement ça. En vrai, c'est complètement ça. C'est nous toutes paix fait en affaires pour ça changer. Si nous mettez nous à dans celle la règle et chaque monde fait taille, nous qu'est arrivé. Donc nous paix fait, moi en décider peut-être en moins.
On peut faire ça, on peut faire couche en paix. D'ailleurs, on a fini cela, je de là, et on a dit, poulon, tu es dixième. Hein? Voilà. Sans responsabilité, et nous parer pour ça. C'est-à-dire que nous payons fait derrière, nous payons garder. Non, nous parer. Oui. Nous jacques à goumer, donc nous qu'est goumer et nous qu'est goumer ensemble. Je laisse la parer pour ça, donc nous qu'est fait. Nous qu'est fait, même exercice que pour les autres, mais on y 10 secondes là, il faut faire, il faut convaincre nous là pour qu'ils puissent comprendre pour qui bitin c'est important et pour qui bitin il faut y arriver nous. 10 secondes pour te dire, toi derrière ton écran, que tu fais partie du mouvement. Nous, toutes ces mounes, moi c'est ce qui m'a convaincue. Si tu es quelqu'un, si je suis quelqu'un, normalement, on doit pouvoir voir ton implication et ce que tu fais. Tu ne veux pas, tu dis que tu ne veux pas. Tu es d'accord, tu dis que tu es d'accord. Moi, je suis nationaliste, je suis autonomiste, parce que je pense qu'on a toutes les capacités, tout ce qu'il faut sur place pour s'en sortir. À partir du moment où on est convaincu qu'on peut faire quelque chose, on peut agir, donc on a rendez-vous le 20. On se voit le 20. Je compte sur toi. Rendez-vous pris. Rendez-vous pris, j'entends lui. Rendez-vous le 20, parce que nous quoi que au cela nous qu'a écrit l'histoire hein, quelque part et depuis nous commençons avec mouvement là c'est l'histoire qui a écrit et il faut autres comprendre ça et ça nous vient fait c'est défendre ça pour qu'elles comprennent que c'est ça qui est important et que jeunesse Guadeloupe du bout derrière projet là ça en boucle d'action justement aussi en boucle qui a voulu en pile Loïs tu nous as rejoint bien bonsoir Enzi. Ton engagement aujourd'hui en Guadeloupe, qui es-tu et comment est-ce que tu te vis sur cet archipel aujourd'hui? Ben Loïs, 31 ans, consultant gestion des ressources humaines. Donc je suis rentré en Guadeloupe en 2017, après 6 ans dans l'Hexagone. Un retour qui pour moi était une évidence. Pour être franc, pendant ces 6 ans dans l'Hexagone, la Guadeloupe n'a jamais quitté mon esprit. Tous les matins me réveillant, je pensais à la Guadeloupe. Donc physiquement, j'étais dans l'Hexagone, mais mentalement, j'étais ici. Donc, une fois que j'ai validé mon master, ça m'a paru évident. En plus, en 2017, mon grand-père décède. Voilà, je ne me suis pas posé la question. Non. Même en venant à vue, je n'avais pas vraiment de piste d'embauche, etc. Après, j'ai eu la chance de trouver un emploi très vite après mon arrivée. Mais pour moi, ce n'était qu'une évidence. Il était clair dans ma tête que j'allais rentrer en Guadeloupe. Très bien. Voilà. C'était ton souhait, tu as décidé de... Clairement. Ok. Et aujourd'hui, ton engagement pour le coup, parce que là, nous carré trouvé nous engagés à dans un système qui ont la règle qui est particulière. Moi, pas qu'à dire ça, il y a des facteurs de marginal, etc. Et là, nous debout, et nous-mêmes contents d'être là et nous cacouer en direction de la station. Mais mon engagement, c'est au quotidien. En fait, déjà, les valeurs que prône l'ANG, je l'applique dans mon attitude de tous les jours. C'est ça. Être bienveillant avec mon prochain, avec ma communauté, aider si je peux, dans la mesure du possible. Et voilà, inonder des ondes positives, tout simplement. Ça, important, effectivement, ça part de là, ça a l'air, mais c'est important. Même exercice que les autres, Loïs, si tu avais 10 secondes pour convaincre, en pas mes mots là, ça va pas pour convaincre. Si vous tenez 10 secondes pour parler avec EAO et dire peuple là, que ça nous a fait l'important, quand vous t'avez dit vous. Ben, concrètement, selon moi, la Guadeloupe en tournant à l'histoire. Ben, nous avons regardé le déroulement des peuples, de l'histoire des peuples colonisés, selon moi, nous en tournant. Donc, aujourd'hui en Guadeloupe, pas quand même que nous en ayons pour nous réussir et pour nous aller loin, pour créer un vrai projet de société guadeloupéen. Nous pouvons créer le rêve guadeloupéen. Nous sommes des Steve Jobs, nous sommes des scientifiques, nous sommes des médecins, nous sommes tout ce qu'il faut pour réussir en Guadeloupe. On a l'intelligence collective. Ce qui nous manque, c'est un cadre institutionnel qui permet d'émerger cette intelligence collective. C'est carré, c'est carré. Moi, je retiens. Le rêve Guadeloupe. C'est important. Et créer les conditions pour qu'il émerge. Il a tout dit. Mais c'est encore vous ému, là. Attends, non, vous voyez que vous pouvez me là parce que ça chauffe. Nous, bien. Et l'impression là qu'a monté petit à petit. Ah, mais attends, toi, Gavin, toi, dis-moi. Gentiment, on a accueilli Audrey également avec nous. On accueille Audrey. Audrey, bonsoir. Tu rentres dans la vibe, tu rentres dans l'énergie. Ah ouais. Vous savez que Mouni, il cabaille la voix hein, en général, il n'a pas dit. Il cabaille la voix tout bonnement. Il n'a pas dit ça, il a pensé. Alors, parlez-moi de nous, Souela. Toi, aujourd'hui, ton engagement, comment tu te vis en Guadeloupe? Quelle est la raison pour laquelle tu te retrouves embarqué avec nous dans cette aventure? Mais vous savez quelque chose, en fait, en toute honnêteté, j'ai ressuscité, comme j'aime à le dire, il y a de ça 3 ans. Je suis redevenue guadeloupéenne, en fait. Wow. C'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue.
C'est vrai que j'ai mis, on va dire, de côté ou en arrière mon côté française, si je peux mm-hmm. dire ça comme ça. Et j'ai enfin pris mes racines et j'ai assumé ces racines parce que je pense qu'il est très important. Et désormais, maintenant, je porte fièrement toutes les couleurs, toutes les valeurs, tous les principes guadeloupéens. Et j'essaye de justement, en parlant l'eau, dans mon quotidien en général, que ce soit à travers mon association culturelle, je suis Chronicos TV, Chronicos Blog, je travaille dans le tourisme. Et en plus, c'est parti aussi de petites hontes que j'avais dans mon travail. Parce que quand tu vois qu'il y a des touristes qui me parlent de choses ici qui se passent, c'est que moi, je ne suis pas au courant. Je me suis dit, mais il y a un problème. Enfin, il faut qu'elle passe. Mais c'est ça. Non, il y a un problème. Donc déjà, ça passe par là. Et donc là, j'ai pris le revers et j'ai décidé que maintenant, je transpire la Guadeloupe. Là, là vraiment, j'ai décidé, voilà. Puis je et comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste? Eh bien voilà, donc je suis devenue maman en plus. Donc là, j'ai envie de donner l'exemple à ma fille, de montrer la chance qu'elle a d'être guadeloupéenne. Ce n'est même pas une chance. C'est-à-dire que voilà, je veux que ma fille demain, quand elle me parle déjà qu'elle parle maman créole. C'est important. Oui, c'est important. En pâté ni doigt, on parle créole. En pâté ni doigt. Donc, qui parle maman créole, nous qui apprendre ensemble, parce que nous pas gens qui finissent à apprendre. Alors là, on commençait sérieusement qu'à garder Guadeloupe en moi, qu'à garder alentour en moi, qu'à faire bas Guadeloupe, mais on savent qu'on y a l'obité encore à apprendre. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que là, on qui construit Guadeloupe là, elle veut tout le monde, et on qui apprendre de tout le monde, et ces nations-là que nous qui porter tous ensemble, et nous qui voient que nous qui faire de bon bité même. Nous qui faire bon bité tout bonnement, même exercice que nous avons, 10 secondes, mi-caméra, si vous tenez, ou t'es pour parler bas peuple là, quand vous t'es dit, pour bailler envie de sentir que ça peut talent. Ben, j'ai envie de dire que le changement passe par les urnes. Voilà, on est dans un système où il est crucial de s'engager sur ce plan-là. Et je pense qu'on a toute notre voix. Justement, on a tendance à se dire, oh, de toutes les manières, ça qui est fait, t'es pas obligé à y voter, t'es pas obligé à machin. Mais sauf que même la voix que tu peux apporter va peut-être avoir un poids sur l'avenir. Et c'est là où il faut prendre conscience de ça. Donc, j'incite tout le monde à être conscient du poids qu'il peut porter justement à travers cette action forte qui sera de voter. Donc, le vin, on nous est conscient. Oui, nous qui changer les choses, nous qui construit Guadeloupe ensemble. Nous qui construit Guadeloupe ensemble le 20 juin. Merci en pile. C'était la première partie de notre émission. Il y a une petite virgule. On se retrouve parce que nous qui calbandé assis. On note thème. Nous qui parler des engagements. Nous ok vrai qu'il y a plus Tibo, plus Moun qui ça. Restez connectés. On se retrouve juste après ça. Nous, Guadeloupéens, tout beau. Ensemble, pour gagner fort, nous mettez ensemble. Passons nous à danser le combat. Ensemble, chômeurs, travailleurs, patrons, autonomistes, indépendantistes, nationalistes. Nous œuvrons à l'émergence de la nation Guadeloupe. Pour nos enfants et pour nous-mêmes. I have a dream. La Guadeloupe aura de la pluie et du soleil. Je le vois aussi comme un endroit qui peut être très moderne. Le travail des Guadeloupéens soit reconnu dans tout le monde. Pour les personnes qui n'ont pas assez d'argent, faire un peu plus de bénévolat. Pour qu'on soit un peu plus autonome ici, pour qu'on ait notre propre président. C'est pays Guadeloupe qui vient ensemble. C'est peuple qui faut tout mettre pour nous. Gagner fort, nous qui ensemble, ensemble. Nous qui a construit Guadeloupe. Nous qui aux élections régionales en juin 2021. Meryl, voilà, c'est tranquille, tiens, mets-toi bien, toi. Je te laisse passer le temps. C'est pour ça, nous, comme ça, nous là, nous ensemble. Alors, en tout cas, parler d'un groupe, eh bien, mes groupes là, c'est comme ça, nous qui a fonctionné, nous ensemble,
c'est collectif et à part en Sel Moon, c'est nous t'avais vrai que nous t'avais envie qu'elles ouvrent aussi comme mouvement cela, c'est tout ça. En tout cas, disons deuxième partie, mais encore quoi que t'en la coûte, nous qui essayer fait ça bien. Livio, où est venu? Meryl, où est venu aussi? Les hauts que fin mettait tu vitais hein? Livio, c'est du coup. Qu'est-ce que c'est dit? Encadie Livio, c'est parce qu'il est sorti. Non, on sortit pas les mois de ville de Livio, c'est pour ça. Ouais, non, Dico, yes, tu es avec nous, bon. tu es un membre quand même lourd de la mouvance. Oui, nous partis à Marie Galante, tu peux avancer. Nous partis à Marie Galante il y a pas longtemps. Et pour la philosophie quand même à mouvance là, pour Monica Gadé nous, qui gens ont synthétisé ça pour nous sentir avec Ayo, qu'a nous café. Waouh. Qu'a nous café. Ben nous avons construit Guadeloupe. Nous avons construit Guadeloupe avec une certaine philosophie, et philosophie c'est en nous. Nous là pour créer une nation, nous là pour créer une discipline d'esprit. Mm-hmm. La mouvance sans discipline d'esprit, c'est des actions, sans team, sans équipe. Et premier geste en nous, c'est Marie Galante, et en cas quoi que Marie Galante change nous. Marie Galante soude nous, et qu'a fait un gros big up pour toutes les hommes et Marie Galante, t'es obligé de faire ça. Ah, c'est un bon temps. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Dans mon micro là, c'est mort. Non, mais en tout cas, blague à part, c'est que nous savons que nous sommes conscients que nous n'avons pas de travail à faire, nous n'avons pas de responsabilité à faire, nous ne pouvons pas arrêter de garder, nous ne pouvons pas aller, mais à un moment, il faut nous agir. Et qu'en cas, quoi que mouvant cela, il a apporté une certaine. Dynamisme. Oui, dynamisme, et puis solidarité, l'intelligence collective, de créer un rêve. Il faut que nous n'ayons rêve, faut nous aller plus loin, faut. En nation, c'est nation un jour, nation toujours. C'est vite, moi, c'est nation un jour, nation toujours. Et voilà, tranquille. Hein. Nation un jour, nation serein. Toujours. Même poser ce même exercice. Si vous tenez 10 secondes pour parler, pour convaincre Moon, qu'a vous dit pour film 10 secondes pour convaincre Moon. Non, pour parler avec elle. On va pas aimer convaincre là. Ouais, convaincre là, pas bon. Convaincre là, pas bon. Ok, yes, I. Oui. Non, mais en fait, nous, c'est. Loïs, t'es qu'à dire ça, Larson, t'es qu'à dire ça, nous, Adam, croisement, et puis, à un moment, faut pas nous louper virage là. Même si nous, qu'à prendre à 250 km/h, nous, qu'à serrer guidon là, nous, qu'à mettre frein à main là, et nous, qu'à prendre. Nous solides, bitez en nous. Nous solides. Bitez en nous. Et, en chef d'entreprise, multi-activité, capable. Non, c'est important d'être parce que ça fait au Bédi. Non, mais. Et qui capati au Togo, c'est au Togo, capati. Au Bénin, c'est à côté. Il part au Bénin bientôt. Non, mais parce que au capote, bitez là, c'est important. Dico, Meryl, avance-toi. Parce que Meryl, alors, c'est. Mais si on est en monde roulé pour nous, en mouvement slide, et en mouvement là plus. Vous l'entendez? C'est Meryl. Meryl avance, ça avance. Toi aussi, tu es infirmière, tu t'occupes déjà des Guadeloupéens, tu en prends soin, mais aujourd'hui, tu décides de marquer en plus ton engagement, même si tu es déjà engagé depuis un premier temps, on l'a vu sur les abîmes, mais aujourd'hui, avec nous, pourquoi? Comment tu te vis? Quelle est ta réalité? Alors, comme tu viens de le dire, effectivement, j'ai fait mes études là-bas, je suis rentrée pour soigner mes frères et sœurs guadeloupéens, parce que ça me tenait à cœur. Et nous, ben, ça me paraissait logique. Avec la mouvance jeunesse que je remercie infiniment. Je vous aime. Aujourd'hui, je vous déclare tout mon amour parce que vous me faites grandir. Et on a dit, oh, c'est comme un cassé. Nous avons grandi ensemble. Et la mouvance jeunesse, nous avons formé une belle famille. Nous avons dit ça. Nous qui sommes Marie Galante, nous avons nous souder. Pourquoi nous, comme l'a dit Laure, nous toutes ces mounes. Et c'est ça qui est belle. Il faut nous comprendre que la jeunesse ni potentiel, ni compétence. Et il ne faut pas nous laisser pour le monde dire le contraire. Nous avons fait yon, c'est ensemble. C'est ensemble que nous avons avancé. Et c'est ça qui est belle, en fait. Ça belle tout bonnement. Ça belle. Et ça fort. Ça belle et ça fort. Et il faut nous continuer. Là, comme j'aime à dire, le papillon va s'envoler et s'émanciper grâce à nous tous. Meryl, même exercice pour tout le monde. Si vous tenez 10 secondes pour parler, Mbappé, qu'a vous dit? Qu'est-ce que je peux dire? 10 secondes, hein? Oui, 10 secondes. C'est pas fait convaincre. Écoutez, c'est ensemble nous qui avançons. C'est ensemble nous. Nous pouvons faire belle bite. Nous sommes Guadeloupe belle. On nous continuera de vivre belle. Ah, ça belle. Merci. Lika.
Ou tu es 10 secondes là, ou tu le... Tu une 10 secondes là, non? Ou pas une 10 secondes là? Bon, ok, fin, alors, en t'est vrai que... Oui, j'ai bien compris, merci beaucoup. le temps et le timing, c'est ça en t'est vrai qu'elles ont compris, qu'elles ont vrai nous, qu'elles ont senti finalement dynamique. Là, c'est tous les jours, c'est comme ça nous y est, c'est comme ça nous qu'a roulé pour pays là. Et quand on t'a dit souvent, y'a qu'à parler, ouais, les jeunes, eh bien, Mimi, et pour ça, en cas, elle avait ça, bon matin, l'a enlevé, et c'est Meryl qui inspirait moi, on dit, quand elle fait, on pas envie de dire qu'il m'en y est, ça en fait machin ni un petit texte qui vient on dit bon un petit rapidement et peut-être que ça qui est 10 autres pour qui bitain nous là et qu'à nous qu'à faire en tout cas c'est quelle contribution en moi au soleil là mais ça en écrit beau matin là Guadeloupe mon archipel je t'écris ces quelques mots car j'ai entendu ta voix j'ai vu ta beauté et entendu ton cœur vibrer Guadeloupe mon archipel de Saint-Louis à Grand-Bourg, de Basse-Terre à Pointe-à-Pitre, de Saint-François à Bouillante, de Désirade à Terre-de-Haut, d'Anse-Bertrand à Vieux-Fort, j'ai entendu ta mélopée. Entendre qu'à danser, en comprendre l'eau qu'en sarre. La monument vigilant, en cas convoqué sept rimagoka, en cas invoqué sentiment cas, toutes ancêtres rentrées en la honte là. Bon, moins fausse là, pour peuple là, vrai clété. On paquette clin d'indin en quai en moins. Fais moins vraie nation Guadeloupe levée en 20 juin 2021. Guadeloupe, mitimounao, engagé pour nous façader qu'on ancêtre vaillant. Guadeloupe, mitimounao, doubout en bas en pied fromager commandé dignité. Guadeloupe, mitimounao, plein de yo même, paré pour sortir en bas jouga français. Guadeloupe, mitimounao, doubout devant l'histoire commandé bénédiction. Guadeloupe, mitimounao, sorti tout partout en dehors, décidé vin kembe brao, pour monter pli haut, ti moins pli haut. Guadeloupe, mitimounao, semblé, pour aller y aimer. Guadeloupe, pas détourné ziao, pas d'avoir en maman, c'est tout bitin pour timounaï. Guadeloupe, mitimounao, engagé en NG, commandé, vin joindre nous. Guadeloupe, nous aimons nous. Nous qu'est nous janou. Guadeloupe, doubout d'ouvoir. Mitimounao, kaele en moué, avec tout chéaï. Pour yo pédi, en nous. En nous. Celle bitère qu'a espéré, c'est qu'elles ont senti qu'elles nous parlaient avec en nous. C'est celle bitère en TKV qu'elles ont senti. Pas d'avoir combat là, c'est ça. Pas d'avoir en cas qu'elles nous a écrit histoire là, j'en de là, tout ensemble, faut nous songer ça. Nous qu'a écrit histoire. Et faut pas que demain, j'en dis, mais c'est en pas mettre bon bulletin là. Pas d'avoir en cas qu'elles j'attends pour y'a bon nous clé là. Alors nous vite disons, j'en de là, votez-nous. Saviez-vous que le manque de formation professionnelle disponible en Guadeloupe contribue au départ de nos jeunes et que le manque de dispositifs de scolarisation et de structures d'accueil entraîne la déscolarisation des élèves à besoins particuliers ? Cette situation s'explique par une inadaptation criante du système scolaire et plus largement de la formation post-bac. Le taux de décrochage scolaire est élevé au collège et en première année d'études supérieures. Et ce sont les conséquences des mauvais choix d'orientation dès la classe de 3e et de terminale. Cela est dû à une offre de formation insuffisante et un manque d'information et d'accompagnement. Le système public d'enseignement supérieur et les plans de formation professionnelle sont plaqués sur les modèles continentaux européens.
En conséquence, le système offre trois perspectives. Préparer des mobilités réussies de poursuite d'études supérieures ou d'accès à des emplois d'encadrement, disqualifier socialement par l'échec scolaire massif l'écrasante majorité des élèves et étudiants inscrits, et assurer une certaine paix sociale pendant un temps en délivrant des bourses d'enseignement supérieur et autres allocations d'aide sociale à près de la moitié des élèves et étudiants locaux du supérieur et par incidence à leurs familles. Lorsque l'on analyse les politiques publiques, bien souvent, la question du besoin est confondue avec celle de la demande. L'objectif doit être avant tout de permettre aux actifs de trouver une activité suffisamment rémunératrice pour leur épanouissement et celui de leur famille. Un parcours réussi est celui qui garantit à l'individu d'être acteur de ses choix du début à la fin. Le développement économique est une compétence majeure de la région. Il faut donc trouver des passerelles entre la stratégie régionale de développement économique et le contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle. Le regroupement de Guadeloupe Formation, des écoles de la deuxième chance et la Cité des métiers n'est pas opérationnel. La Guadeloupe ne s'est pas dotée d'un véritable outil d'influence et de régulation du marché de l'emploi. De plus, la répartition spatiale des formations laisse à désirer. Certains jeunes, ne pouvant pas bénéficier d'internats ou de transports collectifs efficaces, abandonnent le cursus qui leur correspond. Toute économie qui veut décoller et offrir des opportunités en termes d'activité, de travail et d'emploi à ses acteurs doit rééquilibrer les niveaux de formation. Surtout si nous voulons favoriser une politique volontariste d'emploi aux Guadeloupéens. Il apparaît nécessaire de repenser la formation. Se recentrer sur les formations de pointe et accompagner le financement des plateaux techniques innovants et de qualité. Mettre en place une offre de formation qui vient compléter l'offre existante, les petits centres de formation, en se positionnant sur des secteurs innovants à forte croissance. Privilégier les secteurs de pointe en ce qui concerne la programmation des actions de formation, s'ouvrir sur les nouvelles pratiques du monde professionnel et encourager la cohésion avec le reste de la Caraïbe. On ne forme pas pour former. On forme pour insérer et pour répondre aux besoins. On forme surtout pour impacter la vie de nos concitoyens et le développement de notre territoire. Par ailleurs, il faut diffuser de bonnes informations sur la formation et les métiers d'avenir pour permettre à chaque Guadeloupéen, quel que soit leur statut, de faire des choix éclairés. Accompagner la concrétisation de l'ensemble des projets professionnels pour élever le niveau de qualification et de compétences des Guadeloupéens. La liste Nous soutient trois axes d'action. Un premier, poser les bases dans l'éducation d'une identité et d'une citoyenneté guadeloupéenne afin que les jeunes soient imprégnés, chouqués dans leur pays. Il faut donc des programmes adaptés, donnant leur place à notre histoire, notre géographie, notre littérature. C'est ce socle solide qui permettra l'enracinement des élèves dans leur culture et qui leur donnera des armes pour atteindre l'international s'ils le veulent. Un deuxième, installer un guichet unique pour les jeunes. Un seul organisme pour répondre à leurs demandes, les conseiller dans tous les domaines de la vie, logement, insertion, formation, mobilité. Il faut leur porter une réponse de proximité adaptée à tout profil. Enfin, un troisième, créer un observatoire assurant la prospective sur les gisements d'emploi actuels ou potentiels en Guadeloupe et qui ferait le lien avec les jeunes tout au long de leur parcours scolaire dès le collège. Cet observatoire sera chargé d'une mission spécifique pour le retour des jeunes, en les suivant dans leur parcours d'étudiants et professionnels à l'étranger et en les informant des opportunités disponibles. Nouka construit Guadeloupe. Bonsoir à tous. On va continuer sur la thématique, enfin on va enchaîner plutôt sur la thématique de la formation professionnelle et de l'éducation. Donc je suis Emmanuel Gustave, enfin, je vais dire responsable de la cadence, mais pas vraiment responsable parce qu'en fait c'est un travail d'équipe. Donc disons que j'ai coordonné jusqu'à présent la cadence éducation. Donc, je suis en présence de Rachel Duwiquet, membre de la cadence sociale et de la cadence éducation. Et Thierry Césaire, je suis aussi membre de la cadence éducation et recherche. Et voilà, je suis aussi enseignant à l'université, je ne sais pas. Voilà, donc tout à l'heure, Rachel et Thierry se présenteront plus en détail. Donc je vais présenter un petit peu nos travaux, puisque ça fait déjà des mois qu'on travaille sur plusieurs thématiques tous ensemble, où il y a vraiment un échange, on va dire, puisque chacun apporte son expertise, aussi bien
sur l'enseignement que sur l'éducation. On a aussi simplement des adhérents qui sont de simples parents et qui partagent leur expérience en tant que parents. Donc, pourquoi la cadence, pourquoi on a décidé de l'appeler éducation, enseignement et recherche, c'est-à-dire de dissocier les trois thématiques, c'est que pour nous, il était important de réfléchir d'abord sur ce qu'on entendait par éducation, ce qu'on attendait du Guadeloupéen de demain, de l'enfant de demain qui va devenir l'adulte, donc le Guadeloupéen de demain, et dans un volet différent, parler de tout ce qui touche à l'enseignement, à la formation professionnelle et au devenir de nos jeunes. Et ensuite, et là, on a encore un tas de travail encore à faire sur la recherche, et ça, tout à l'heure, Thierry nous en parlera un peu plus longuement. Donc, je vais laisser la parole à Rachel, qui va nous parler un peu de son activité, de son expérience surtout. Voilà, expérience, engagement auprès de la jeunesse guadeloupéenne, puisque je suis à la base professeure des écoles, spécialisée assez rapidement dans mon parcours professionnel, avec la chance d'avoir eu des expériences professionnelles qui m'ont amenée à côtoyer, en fait, différents profils d'enfants, mais d'enfants jeunes, enfin, adolescents aussi. Mais assez rapidement, effectivement, j'ai fait mon choix. Mon choix, il était clair que je devais porter ma pierre à l'édifice, je devais participer à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Voilà. Alors, c'est quoi un élève à besoins éducatifs particuliers? Ce sont des élèves, des enfants, des adolescents qui rencontrent des difficultés de tout ordre. Ça peut être des difficultés sociales, ça peut être des difficultés d'apprentissage. C'est aussi le champ du handicap. Ce sont des enfants, effectivement, qui n'ont pas le même environnement, je dirais, que les autres, donc qui ont besoin d'un apport complémentaire. Alors, j'ai aussi un parcours dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, puisque je suis administratrice d'un centre de formation qui forme des jeunes et des moins jeunes dans le cadre des réorientations et de retour en formation, qui les forment dans les secteurs social et médico-social. Voilà, donc tout ça pour dire en fait que nous avons une jeunesse qui nous apporte beaucoup, qui nous permet en fait de nous construire avec eux et que nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser ces jeunes sur le chaos. Nous nous devons, en tant que citoyens, dans notre engagement, nous nous devons en fait de pouvoir les accompagner avec nos limites. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on crée des partenariats. Ces partenariats sont essentiels parce que, comme j'aime à dire, chacun a sa place, chacun a son rôle dans la société. Je te laisse finir. Et que justement, un enseignant ne peut pas tout porter sur ses épaules aujourd'hui. Même si avant, c'était le cas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on doit travailler en bonne intelligence, en collaboration avec tous les partenaires qui participent justement à aider les jeunes et leurs familles à se construire. À se construire pour construire leur projet professionnel et réussir leur vie sociale. J'ai envie de dire que, et c'est ce que j'ai apprécié quand je suis arrivée à l'ANG, parce qu'on n'arrive pas à l'ANG comme ça. On arrive à l'ANG parce que quelque part, on est déjà engagé individuellement ou peut-être collectivement, et que là, on trouve encore matière à pouvoir penser un projet politique, penser un projet citoyen. Les deux vont ensemble pour moi, qui en fait va permettre d'impliquer chacun en fonction de ses potentialités, mais chacun à construire son projet de vie, le projet Guadeloupe. Et j'ai envie de dire, faire émerger toutes ces compétences et toute cette richesse. Alors, voilà. J'aimerais soulever justement une question qui revient souvent, puisque je suis enseignante également,
Et donc souvent, je rencontre des parents d'enfants à besoins particuliers, puisqu'on ne dit plus maintenant les enfants en situation de handicap. Donc les besoins particuliers regroupent tout, comme Rachel a expliqué tout à l'heure. Et ce qui revient souvent, c'est que ces élèves, finalement, ne profitent pas de tout ce qui devrait leur être apporté. Et les parents, le plus souvent, se retrouvent démunis face à une lourdeur administrative, face à une lenteur dans le traitement des dossiers, etc. Donc, selon toi, comment on pourrait faire pour aider ces parents pour pouvoir faire leur demande aboutir ? En tout cas, aboutir peut-être un peu plus rapidement ou faire en sorte qu'ils se sentent moins démunis et moins seuls. Parce que c'est vrai qu'on parle d'école inclusive, mais c'est encore très compliqué aujourd'hui pour un élève en situation, enfin, à besoin particulier, de pouvoir accéder rapidement à tous les dispositifs, quoi, en fait. Donc, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu opinion là-dessus. C'est un travail qu'on a commencé. C'est un engagement citoyen. C'est un travail qu'on a déjà commencé au niveau des cadences. C'est de communiquer, en fait, vers la population, pardon, communiquer, en fait, sur les différents dispositifs, les différentes démarches qui peuvent être réalisées. C'est, en fait, porter l'information à tout un chacun, et ça c'est fondamental, que tout un chacun puisse avoir accès à l'information qui lui permette en fait de mobiliser toutes les compétences, tous les dispositifs qui aujourd'hui facilitent, favorisent l'insertion sociale et professionnelle de tous les élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors, ça me permet justement de faire la transition sur la... Parce que Thierry était là aussi, il a participé également aux longues discussions qu'on a eues concernant l'éducation en elle-même et justement le thème de la parentalité, le thème de la transmission, etc. Et on avait fait le constat qu'en fait, il fallait avant tout se rapprocher du parent pour renouer des liens et permettre à partir de là aux parents de refaire certaines choses avec les enfants pour pouvoir les mettre au cœur de leur Guadeloupe, au cœur de tout ce qui les entoure. Donc Thierry, si tu veux dire deux mots concernant les échanges qu'on avait eus sur, oui, sur la parentalité, la transmission, etc. Non, mais bonjour, rebonjour, parce que je redébarque dans la conversation. Non, c'est... C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est une société. Et une société, en fin de compte, est constituée de plusieurs parties. Et on devient parent parce qu'on a grandi avec une culture, on a des transmissions, on a tout un savoir-vivre, un savoir-faire qui doit être transmis. Et assez souvent, dans l'éducation, cette partie-là est laissée de côté. On se retrouve avec une génération de parents, de jeunes parents. Un peu, de jeunes parents un peu désespérés et qui laissent à l'école le soin d'éduquer. Notre société a beaucoup changé, hein. Lorsqu'on était enfant, on ne pouvait pas répondre n'importe comment aux gens, on ne pouvait pas parler n'importe comment. Le voisin avait un petit peu de droit de regard. C'était un petit peu lourd pour nous, mais quand même, c'était constitutif de notre société. Je pense que maintenant, dans la discussion, c'est dans la Guadeloupe de demain, il faudrait remettre ce lien. Ce lien de parents de la société, non pas un parent seul. Donc il faudrait que, non pas seulement éduquer l'enfant, mais éduquer aussi tout le système éducatif et les parents aussi avec. Donc, alors, si je peux me permettre, hein, mm-hmm. les parents, ils sont demandeurs. Ouais. Ils sont demandeurs parce qu'effectivement, je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on dise que nos parents sont tous démissionnaires. C'est faux. C'est faux. Mm-hmm. Sauf que, comme je disais, il leur manque en fait ce facilitateur. Ce facilitateur qui va les amener à prendre leurs responsabilités, parce que certains d'entre nous sommes capables de le faire sans qu'on ait un accompagnement. Mais d'autres n'ont pas cette capacité. Et c'est surtout cela qu'il faut que la société aujourd'hui, que les politiques régionales puissent accompagner. Alors, on est d'accord que les politiques régionales ne sont pas là pour répondre aux besoins des élèves, des enfants à besoins éducatifs particuliers. Mais dans le cadre des politiques de la ville, dans le cadre du transport, dans le cadre de l'emploi, dans le cadre de la formation, c'est là qu'on va considérer en fait les différents publics de la société. Et dans ce cadre-là,
il va falloir que ces politiques puissent répondre. Et ça fait partie des échanges qu'on a. Nous sommes là à dire qu'il faut des choses, il faut des choses, mais quelles choses est-ce qu'il faut? Et il faut pouvoir effectivement mettre concrètement en place des actions qui vont découler de la vision que nous avons. Non, c'est le lien social, en fin de compte. Le lien social, c'est qu'avant, il y avait une famille avec des liens entre tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne mettait pas les personnes âgées, on ne les mettait pas en maison de retraite. Même si la personne avait une petite déficience, elle était accompagnée à trouver une place dans la famille. Les grands-parents étaient souvent le repère de la famille. Et c'est ce lien-là qu'il va falloir reconstituer pour que les enfants à besoins spécifiques, eux, puissent encore être accompagnés. Tu voudrais rajouter quelque chose? Non, ça va. Je voulais quand même conclure, pour conclure la partie sur l'éducation. On avait beaucoup échangé sur le devoir de transmission, puisqu'on avait fait le constat que les enfants aujourd'hui connaissaient plus les choses d'ailleurs que les choses du pays. Par exemple, on s'était arrêté sur le fait que les enfants vont beaucoup plus souvent aujourd'hui dans un centre commercial ou en ville simplement, mais que des petits gestes quotidiens comme faire le marché en famille, toutes ces petites choses-là se perdaient et que du coup, il y avait tout un tas de conséquences. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a de nombreux enfants qui ne connaissent pas les fruits du pays, qui ne connaissent pas les légumes du pays. Alors, pas parce qu'ils n'en ont pas à la maison, mais simplement parce qu'ils ne les voient pas, ils ne les côtoient pas. Donc on avait soulevé aussi ce devoir de transmission et la nécessité de conscientiser. Je me rappelle qu'il y avait un de nos camarades qui parlait de conscientisation du parent pour vraiment aider à l'accompagnement des enfants. Alors, si je peux me permettre, là, tu ouvres la porte pour qu'on parle de la langue. Je suis désolée. Non, mais c'est une bonne transition, elle est pas mal. Hein, ouais. Mais ça me permet de remonter une petite anecdote, quelque chose que j'ai déjà raconté dans la cadence. Pendant des années, moi, j'allais régulièrement sur le festival de Goka. Et je voyais un jeune Américain qui venait régulièrement au festival de Goka. Chaque année, il était là, avec sa cassette en train d'enregistrer. Et un jour, je lui ai posé la question. Il dit, mais tu viens chaque année, je connais un peu le système américain, je sais qu'on n'a pas les financements très facilement. Et il m'expliquait que chaque année, il discutait ses financements et il avait des financements pour aller en Guadeloupe. Donc je lui ai demandé, mais est-ce que les gens qui donnent les financements connaissent la Guadeloupe? Non, ils ne connaissent pas très bien la Guadeloupe, mais comment tu peux justifier tes financements? Et il me disait qu'il y a, sur le plan théorique, quelque chose qui se passe en Guadeloupe et qui est unique et qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire que nous avons une culture qui se développe dans un cadre informel. Mm-hmm. Et un cadre formel de l'école, tout, avec où on parle français et tout. Alors qu'il y a une transmission informelle sur les groupes à peau, sur le goka, sur notre langue, et qui passe par un circuit qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ils viennent analyser. Je me suis rendu compte qu'on est le laboratoire de plusieurs pays qui essayaient de comprendre qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe, pourquoi la langue se développe alors que ce n'est pas transmis, elle n'est pas transmise à l'école, pourquoi les groupes à peau, tout ça, ça se transmet. Parce qu'il y a un vecteur assez important sur lequel nous, on n'est pas conscients, que d'autres sont conscients. Et je pense qu'on a un travail à faire sur cette transmission. On n'est pas forcément conscient de notre puissance, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot-là. Et c'est une petite transition sur la recherche. Ça va me permettre d'enchaîner sur ce que nous a prévu. Voilà, c'est que nous, sur le plan anthropologique, sur le plan sociétal, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur nous-mêmes et à mettre en valeur. Et si la société dans laquelle on vit ne nous valorise pas, et je pense que d'autres ont déjà compris beaucoup de choses sur nous-mêmes, et qu'on a intérêt, nous, alors s'il y a des anthropologues, s'il y a des universités, par exemple, devraient faire ce travail de mise en valeur de notre propre nous, sans jeu de mots. Pour pouvoir recréer une identité. Oui, Moi je repense à mes élèves, parce que j'ai la chance d'être au contact de jeunes de 11-12 ans qui sont en difficulté d'apprentissage, donc qui doivent se construire avec ces difficultés, se construire sans connaître qui ils sont vraiment pour certains, je ne dis pas tous, mais pour certains. Et c'est vrai que notre rôle de société, c'est d'amener aussi, de leur permettre d'y accéder. Alors, justement, je vais faire la transition pour quand même parler de ce que nous proposons dans notre programme. Donc,
c'est vrai que le constat, c'est qu'en fait, le jeune, l'enfant, ou même le Guadeloupéen, ne se connaît pas, ne connaît pas sa richesse. Tu l'as dit, il faut que des Américains viennent ici pour pouvoir faire une étude. Et bien souvent, et on en parlera tout à l'heure dans le volet concernant la fuite des jeunes, nous ne connaissons pas notre culture, nous ne connaissons pas notre histoire, notre géographie. Alors, est-ce que c'est la faute des parents? Je dirais oui et non. C'est aussi peut-être par rapport à nos programmes, qui ne sont peut-être pas suffisamment adaptés à la réalité de notre territoire. Donc, c'est vrai qu'il est judicieux de créer des programmes adaptés qui vont réintégrer non seulement notre culture, tout à l'heure, la cadence culture va pouvoir enchaîner, notre culture, notre histoire. Il faut quand même que chaque Guadeloupéen puisse connaître son histoire. S'il entend parler de mai 67, qu'il puisse être capable de dire, bon, de citer au moins quelques petits événements comme ça, aussi de connaître la littérature, parce qu'on a quand même une littérature qui est très riche. Et d'ailleurs, les îles de la Caraïbe, il y a souvent des rencontres littéraires, etc. Donc peut-être réadapter les programmes aux réalités du territoire avec la géographie. Moi, je me rappelle, dès le primaire, on apprend quoi? Les fleuves de la France, les climats de la France. Il y a énormément de Guadeloupéens, jeunes comme moins jeunes d'ailleurs, qui ne savent pas différencier, par exemple, les deux saisons que nous avons. Ou alors, qui ne peuvent pas placer les communes de la Guadeloupe sur une carte, ou qui ne peuvent pas citer les différentes rivières qu'on a. Il y a des enfants qui ont grandi en Grande-Terre, par exemple, qui n'ont jamais été à la rivière en Basse-Terre. Et pourtant, on traverse la Guadeloupe en moins d'une journée, quoi. Donc, toutes ces petites choses-là. Donc, il y a un travail de la part des parents, mais je pense qu'il y a aussi un travail au niveau des programmes. Et donc, dans notre programme, nous pensons qu'il faudra justement favoriser l'édition de programmes, de manuels, de toutes sortes d'outils. Oui, j'attends, je vois entièrement. De toutes sortes d'outils qui pourront permettre de remettre le Guadeloupéen et surtout le jeune pour qu'il puisse, quand il partira à l'étranger, pouvoir parler correctement de son pays, de ses richesses, de ses compétences et avoir un bagage solide. Donc pour ça, c'est peut-être justement favoriser l'émergence de manuels et d'outils qui seront utilisés aussi bien à l'école que dans les familles. Et je te rejoins, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aujourd'hui qu'on ne va pas découvrir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Mais comment découvrir ce qui se passe ailleurs? Comment apprendre à apprécier ce qui se passe ailleurs au détriment de chez soi? Et comme je leur dis, quand ils se connaissent, ils savent d'où ils viennent, ils connaissent effectivement toute la richesse qu'il y a chez eux, ça leur permet de marcher la tête haute et de se redresser. Ça leur permet effectivement de regarder l'autre d'égal à égal, parce que quand l'autre va effectivement étayer, va expliciter ce qu'il a chez lui, lui aussi sera en capacité de dire « Attention, moi je ne suis pas issu d'un petit rocher vide de rien du tout. Je suis issu d'une île qui est un archipel, qui est un archipel, et chaque île de cet archipel a ses spécificités, a sa biodiversité, a ses richesses. Donc ça aussi, ça participe à la construction de l'individu. Oui, et puis en plus, il y a des outils que nous n'utilisons pas. Dans le programme qui est proposé par nous, effectivement, on va partir de la réalité, partir des outils qui sont là. Si les outils ne sont pas adaptés, on va les faire évoluer. Mais pour savoir si un outil est adapté, encore faut-il l'utiliser pleinement. On est d'accord. Et, voilà. Et nous n'utilisons pas les outils pleinement. Je vais rebondir sur quelque chose que Rachel a dit pour pouvoir donner justement un point du programme. Tu as parlé de quand les jeunes s'en vont, justement. Donc, on a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup échangé sur le fait que les jeunes partent et souvent ne reviennent pas. Alors souvent, quand ils partent et qu'ils ne reviennent pas, c'est parce qu'ils ont soif de découverte, de découvrir ailleurs, etc. Mais souvent, ils se rendent compte, là, à ce moment-là, des richesses qu'ils ont laissées au pays. Donc, ces jeunes qu'on doit faire revenir, donc, par rapport à cette problématique,
dans notre programme, nous prévoyons de créer un observatoire, en fait, qui va permettre d'accompagner ces jeunes sur tout leur cursus scolaire, mais aussi de préparer leur retour. C'est-à-dire qu'ils ont le temps de découvrir autre chose, de se former s'il le faut, mais surtout de leur permettre de pouvoir revenir. Et puis, si je peux me permettre aussi, dans le cadre des compétences régionales, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que nos jeunes se forment chez nous. Chez nous, voilà. Donc avec justement toute la richesse qu'il y a chez nous et dans la Caraïbe, puisqu'on appartient quand même au bassin Caraïbe. Donc, ça aussi, c'est important. Je vais revenir tout ça sur ce point tout à l'heure, parce que là, sur la partie université recherche, il y a encore des choses à faire de ce côté-là. Tu veux, André? On continue toujours, il y a des propositions. Oui, nous avons des propositions dans le cadre du programme effectivement. Mais si on peut toujours continuer sur ce terrain, je parlais encore de gens qui ne sont pas exploités. La France, l'État français a décidé de créer la territorialisation. C'est-à-dire que c'est pour que les gens, je vous passe, puissent adapter les lois françaises. Hein. Il ne s'agit pas encore d'autres lois que celles des lois françaises pour l'instant. Et dans ce cadre-là, sur chaque région, il faut créer un contrat de site. C'est-à-dire que tous les acteurs territoriaux doivent signer un contrat de site et donner au ministère de l'Éducation nationale un programme avec deux volets. Un volet interne pour dire comment ils vont respecter ce contrat de site et un volet externe, ils vont dire comment ils vont travailler ensemble. Donc, normalement, c'est la région est censée être opérateur de ce contrat de site et ils vont communiquer avec les autres organismes. Ce serait bien que dans le prochain contrat de site, qui est au moins la région, j'espère que nous, on mettra la région dans ce contrat de site pour pouvoir parler des problèmes de la Guadeloupe. Car le contrat de site actuel qui existe, 2017-2021, il n'y a aucune collectivité territoriale et régionale qui parle des problèmes de la Guadeloupe en ce moment. Ceux qui sont signataires ne sont pas les collectivités territoriales. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faudra que nous fassions bientôt pour pouvoir parler des problématiques des jeunes, des problématiques d'enseignement, du retour des jeunes. Ce sont des choses qui nous intéressent et qu'il faudra peut-être mettre. Je suis d'accord avec toi. Recenser toutes les forces vives, tous les acteurs dans leur champ de compétences, c'est fondamental parce que ça permet, en fait, comme tu dis, de pouvoir faire ce maillage territorial. Et tant qu'on ne fera pas ce maillage territorial, je pense que... Je t'ouvre la porte à un autre point de notre programme. Qu'on puisse parler un petit peu de la formation professionnelle. Et là, qui va peut-être plus concerner les jeunes qui vont rester en Guadeloupe. Alors, on a une question du live de Vincent qui dit qu'il adhère à nos prétentions pour la formation de nos jeunes, mais qu'il y a un volet qui est oublié. Et donc, il parle du volet des formateurs, des outils et des moyens financiers qui sont donnés aux centres de formation. Donc, si tu veux réagir. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, les formations sont financées essentiellement par les fonds européens ou dans le cadre des compétences de la région, mais aussi par France Compétences. Et c'est vrai qu'il faut que la région se donne les moyens d'évaluer les compétences actuelles, les besoins en compétences actuelles, surtout les compétences à venir, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus tous les mêmes métiers que nous avions antérieurement. Et ça, c'est fondamental. La formation est financée par les fonds européens via la région ou France Compétences, mais il appartient à la région d'avoir un projet global de formation qui va prendre en compte les besoins du territoire, du moins, excusez-moi. Donc ça, c'est fondamental. Alors, en termes, qu'est-ce que c'est, Vincent disait, Vincent, est-ce que tu peux me redire sa question, le passage sur... Donc, il parlait du financement. Voilà. Alors, on a une autre difficulté qui va arriver, c'est-à-dire qu'à partir de la rentrée universitaire et 2021-2022, la formation se doit de passer en appel à projet. Donc, il faudra qu'on fasse attention,
parce que n'importe quel gros... Et tous les organismes, à partir du 1er janvier 2022, tous les organismes de formation qui vont vouloir prétendre à des fonds européens devront être certifié Calliope. Alors, je pense que la question fait peut-être aussi référence à nos centres de formation actuels qui sont désertés par les jeunes qui auraient peut-être bien voulu s'investir, etc. En fait, les centres de formation qui ne répondent pas réellement à leurs attentes et du coup, qui sont désertés. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des centres de formation qui ont été financés puisqu'il y a quand même eu des fonds qui ont contribué... Alors, leur mise en place, etc. Sauf que... Je ne dirais pas qu'ils sont désertés. La formation professionnelle aujourd'hui est quand même un peu à l'agonie. En oui, il faut le dire. Voilà, il y a des secteurs... ce qui ressort des échanges. Alors, justement, c'est ça l'intérêt d'un contrat de site. Je vais revenir sur le contrat de site parce que c'est pile poil sur la formation professionnelle. Ici, pour pouvoir adapter une formation professionnelle, il faut savoir être capable d'être conduit de faire une projection. Et en ce moment, là, les acteurs du territoire, pour ne nommer personne, sont dans l'incapacité de faire une projection. Dans quel que soit le domaine, quels vont être les métiers de demain, quels sont les métiers en tension, quelles sont les formations adaptées et quelles sont les projections. Ce sont des questions importantes. D'où la nécessité de lancer un réel un projet. Mais la nécessité aussi de faire un véritable maillage du territoire sur tous les besoins. Et il y a des niches aussi, parce que pour parler du financement, il y a certaines niches sur lesquelles on peut aller. C'est vrai qu'il y a le FEDER, il y a aussi l'Interreg, il y a aussi d'autres niches. Je prends un exemple, juste rapidement. On a notre culture qui a été déposée à l'UNESCO. Oui. Le GOKA. Et c'est écrit dans le GOKA, et c'est déposé par la France, que le GOKA est issu de la biodiversité guadeloupéenne. Donc, si c'est issu de la biodiversité guadeloupéenne, ça veut dire que notre biodiversité, notre culture, est aussi dans le processus de sauvegarde. Ça veut dire que directement, nous pouvons donc, même si cette procédure ne donne pas directement d'argent, nous pouvons émarger à des sources de l'UNESCO pour pouvoir valoriser notre culture et la financer. C'est ainsi que la Havane a reçu plus de 40 milliards de dollars pour continuer. Je vais prendre encore quelques questions, hein, parce que le temps est court. Vas-y. Alors, on a une autre question de Willem, qui dit qu'il y a un gros problème par rapport au programme et les professeurs de primaire doivent aussi jouer leur rôle et être un peu plus engagés. Bon, alors là, ça va être une question pour moi, ça. Mmh. Alors, effectivement, les programmes, ce sont des programmes nationaux, donc on a très peu de marge de manœuvre, mais je rejoins Willem, il y a quand même des choses à mettre en place parce que même si les programmes sont cadrés, on peut bifurquer et essayer de placer, de ramener en tout cas notre manière d'enseigner et même le contenu de nos enseignements à nos réalités, c'est-à-dire loupéaniser un petit peu notre pédagogie parce que ça, on peut encore le faire. Moi, j'ai envie de te dire, on part de chez soi et on va vers l'extérieur. On ne fait pas l'inverse. Alors, peut-être une autre question ici. Les programmes scolaires des enfants guadeloupéens sont-ils toujours pensés et réfléchis en vente à bête, là? Donc, ça revient à ce que je disais. Oui, pour l'instant, en tout cas. Pour le moment, mais je pense que... Si on a encore... Dans certains secteurs, Dans quelques années, on arrivera à avoir une plus grande marge de manœuvre et peut-être que là, on pourra adapter les programmes, en tout cas, faire nos programmes pour nos élèves. Est-ce que tu veux conclure? Oui, c'est-à-dire que nous avons la possibilité ici de construire la Guadeloupe. Nous avons les outils que nous devons faire évoluer. Donc, nous devons et nous avons l'occasion, l'obligation aussi de prendre notre destin en main. On a des outils, on a une jeunesse, on a une université, malgré ses difficultés, et encore opérationnelle et encore de bons résultats, même difficilement, mais ça, nous communiquons que sur nos difficultés, mais nous faisons aussi de belles choses. Donc je pense que sur tous les acteurs du territoire, nous et de bons acteurs à la région, ressouder toute la population, tous les acteurs, tous les sites et tout le monde pour pouvoir orienter la Guadeloupe dans le bon rail. Alors moi, ma volonté, c'est qu'en fait, chaque enfant, chaque moun, c'est moun, chaque enfant de la Guadeloupe a sa place. Et il nous appartient aujourd'hui de construire un projet politique qui donne à chacun de ses enfants sa place. La région, pour moi, doit pouvoir
accompagner les municipalités à pouvoir financer des dispositifs qui permettraient de considérer chacun des enfants. Et je dis bien chacun des enfants. Et là, nous avons dit nous, c'est vous, c'est moi. Et que justement, si nous pas ni nous là ça, nous pas ni cohésion, la cohésion sociale, eh bien, on va encore laisser nos enfants sur le carreau. Je te rejoins sur ta conclusion. Je pense également que notre mission, quand nous serons à la région, ça sera justement de permettre à nos jeunes de pouvoir s'enraciner. Alors, je ne dis pas qu'ils devront tous rester, hein, mais en tout cas, ceux qui partiront pourront représenter avec fierté leur pays et partir peut-être avec des compétences pour pouvoir les ramener, parce qu'on se rend compte tous les jours qu'on a des compétences, on a des talents. Et ça, il ne faut pas qu'on attende qu'on nous le dise, il faut que nous-mêmes nous en soyons conscients. Donc, sur ce, je conclurai en disant que le 20 juin prochain, il va falloir voter, nous, aux prochaines régionales. Voter et faire nous. Voter. Voter et faire voter. Voter. Saviez-vous qu'en inventaire des pratiques patrimoniales et culturelles en Guadeloupe a dénombré plus de 300 pratiques en cours? Nous avons la fâcheuse habitude de dire que nous perdons nos coutumes, alors qu'elles sont encore très vivaces, mais qu'elles sont aussi très nombreuses en comparaison avec d'autres territoires. Les luttes sociales en Guadeloupe ont toujours été accompagnées d'une affirmation identitaire forte. Nous sommes un peuple à part entière. Elles ont permis de sauvegarder notre langue, le créole, notre musique, le groka. Et aujourd'hui, les roses, coups de tambour, mayemme, déboulés à masse, nous semblent être des héritages évidents. Ça n'a pas toujours été le cas. La culture, ce ne sont pas seulement les arts, ce sont toutes les traditions, ces habitudes distinctives, la façon dont nous mangeons, dont nous nous habillons, dont nous élevons nos enfants, dont nous concevons la vie, la mort, la famille. C'est ce qui fait d'une société ce qu'elle est. Connaître sa culture, la faire connaître, c'est décoder les relations entre les hommes. Aujourd'hui, la transmission repose essentiellement sur la famille, sur l'environnement proche. Par exemple, sauf investissement d'un enseignant, l'apprentissage des rythmes du groka n'est pas systématique à l'école. La sauvegarde de ces pratiques dépend des bénévoles, qui sont bien souvent dans des situations précaires. De même, on se targue d'être une terre de créativité, avec une richesse musicale immense. Des artistes qui savent conquérir le cœur des gens de par le monde. Pour autant, l'artiste et l'art en Guadeloupe sont bien peu pris en considération. Quelques projets individuels sont financés ponctuellement. Et souvent, l'artiste est producteur, manager, tourneur, communicant pour son propre projet. La crise sanitaire a révélé encore plus cette précarité. Bien peu ont pu bénéficier des aides liées à l'intermittence, puisque ce cadre ne convient pas. Il faut pouvoir justifier de 507 heures déclarées sur une année. Alors même que la culture et les industries créatives sont ceux qui nous différencient dans un monde globalisé. Les autres pays ne peuvent pas nous copier. Et ce n'est pas seulement pour nos plages que les touristes viennent. Même sans stratégie dédiée, le carnaval attire des milliers de passagers et génère des ressources non négligeables. Nous avons un calendrier culturel intense, des événements de très grande qualité qui ont du mal à se pérenniser parce que les pouvoirs publics ne réalisent ni la dimension, ni l'intérêt pour l'attractivité du territoire, et encore moins pour les métiers qui vivent de ces événements. Ils sont souvent considérés comme du divertissement, plutôt que comme des outils au service du pays. Ce n'est pas notre culture que nous perdons, mais les personnes qui la font vivre, envers et contre tout. Une nation ne peut se forger que sur un socle solide, et nous affirmons que la culture constitue bel et bien la colonne vertébrale de la société guadeloupéenne. Elle doit être au centre de l'action politique, un outil de cohésion sociale. L'épanouissement du Guadeloupéen, son développement, passe aussi par le sentiment d'appartenance à une communauté, à un lieu, des racines fortes qui permettent de s'ouvrir au monde sereinement. Et fort de cette conviction, nous proposons, premièrement, la création d'une instance regroupant tous les acteurs de la culture, de l'économie culturelle et créative, c'est-à-dire le cinéma, l'architecture, la musique et bien d'autres encore,
dans une agence, un pôle guadeloupéen, des industries culturelles et créatives, afin de pouvoir définir ensemble une politique culturelle. Plutôt que de financer un projet après l'autre, il faudrait réfléchir à mutualiser les aides pour l'export, pour la participation à des festivals, pour la formation technique et artistique. Qui mieux que les principaux intéressés peuvent faire ça? Deuxièmement, l'accompagnement des artistes par le financement de salaires d'administrateurs de compagnie pour qu'ils puissent se structurer, se développer et sortir de la précarité dans laquelle ils sont aujourd'hui. Porter une réflexion sur la création d'une nouvelle taxe afin de financer cette création artistique et tout l'écosystème qui en vit, puisque sur elle repose l'attractivité du territoire. Inscrire aussi officiellement la Guadeloupe dans les travaux que mènent nos voisins caribéens au sein du CARICOM pour parler des réparations. Ensemble, pour gagner, pour nous mettre ensemble. Ancien artiste Guadeloupe, qui était longtemps en vente à bête là. Mais depuis en partie, on toujours porté Guadeloupe en moins, en toute norme en moins, en quai en moins, en bouche en moins, et c'est Guadeloupe en moins, on toujours chanté. Ni plein bitin en constaté, pendant que tu as fait ça. Et il y en a dans ces bitins là, ça c'est que délai, à pas tout l'air, mais délai, peut-être si on a ni plus conscience à force, à kilti en moins, qui moi-même, mais qui peuple Guadeloupe même. En tes pères entrés ici dans, en cas chanter Guadeloupe tout partout, en cas dit Jean Ibel, tout ça, mais en cas était en bas là. Moi, mon père entré ici dans. En père, parce qu'en cas dit moi, si c'est chanté, en cas chanté, en cas rentré, en cas fait un concert, Kenny Moon, en cas fait des concerts en moi là, Kenny Moon, troisième concert là, peut-être Kenny Tiboué moins Moon, quatrième là, bon ben si Moon a déjà connu le répertoire là, paquet, y'a Péke Vini. Qui j'en cas fait continuer à vivre? En bas là, on est en intermittente du spectacle, on est en espèce de sécurité, là, en cas arrivé ici dans, peut-être en Pékeny sécurité encore. Confinement l'arrivé, crise là, et on décide de rentrer à Kazomwe. Parce qu'il y a plein d'habitants à faire à Kazomwe. Et m'en fous à peine si on n'a pas arrivé à vivre avec la musique en moins qui est en moins. M'en fous à peine à pas ça qui est important encore. Arrivé, et puis arrivé la NG. Arrivé la NG, on rentre dans Cadence Kilti, en jouant un paquet de belles moun à dans Cadence Kilti. Et ensemble, nous mettons nous qu'à Kabéché, à six gens, nous paie fait Kilti en nous vancer. Nous Kabéché, nous jouons un paquet à moun. Acteur à Kilti, moun ka fait politique, artiste. Nous jouons moun ka travaille dans les institutions qui ka géré la Kilti pour nous te savent. Ou la nouye jodi là, ka ki fait avant nous arriver, ka ki pas mâché, ka ki ka mâché, ka nous pépoter pour ça péranger. Parce que nous ni l'impression, ni débiter qui pas ka mâché. Ça nous constate, c'est pas ni ça yo ka kriyon politique culturelle. Pas ni pon décision. Pas ni pour un projet pour ces acteurs à Kilti là trouvent place solide en Guadeloupe. Région Kabaï, ça qu'il faut pour Kilti puisse exister. En tout cas, l'idée événement de temps en temps, au gré des subventions, au gré de ce qui reste dans le budget. Donc, nous avons l'impression que ça pas ni assez. Pas ni assez parce que nous pas des saltimbanques. Qui attend qui subvention qui a tombé pour savoir est-ce nous qui peut travailler, est-ce nous qui peut manger. Alors, si nous comprendre, ni on bitafo nous calbander, c'est qui Jean nous qu'avoir qu'il dit. Laurence dit ça t'allait là. Ici, dans Guadeloupe, c'est côté en France qui plus qu'à conserver patrimoine qu'il tirait là. Côté qui plus qu'à conserver. Joue Bretagne qui a fait machin, Pays Basque qui a fait gomme, tout ça. Nous plus qu'à quimber ces bitins là ça. Parce que nous savons que c'est important pour nous. Kilti, c'est colonne vertébrale à nation en nous. Et tant qu'il nous péquait décider, prendre Kilti en nous comme une colonne vertébrale, on ne pense à rien péquer changer. Nous parions pour faire tout ça changer. Bon, dans tout ça, qui Kilti? On n'a pas l'idée d'artiste, mais Kilti n'a pas art. Kilti, c'est ça qui a fait. Moun semblé trouver yo à dans même nation. Qu'il dit c'est qui j'en nous ka vivre ensemble. C'est qu'à nous ka manger, c'est qui j'en nous ka vivre l'en mort, qui j'en nous ka fait l'en mou, qui j'en nous ka lever petit en nous. Qu'il dit c'est qui moun nouyé. Ah si tout ça qu'il n'y a fait. Oh là c'est artiste là qui a trouvé place à yo dans ça, c'est artiste là yo ka porter qu'il dit là. Yo ka traduit qu'il dit là bah peuple là même et bah moun en dehors aussi. C'est ça qui travaille en nous, c'est ça qui roule en nous. Et nous peut pas ka faire au coup par en coup. Ça nous ka faire tous les jours. Nous ka fait, Jean nous ka vivre li, c'est Jean nous ka fait. C'est pour ça que c'est normal, on ka trouvé moi jodi là,
qui a parlé de Kilti pour liste nous et pour l'ANG, parce que c'est travail en moins en café là. C'est Vindi, Pep Guadeloupe, nous fort, nous grand, nous ni talent, nous ni richesse, nous ni belleté tout partout. Faut nous-mêmes nous savent ça, faut le monde entier connaître ça aussi. Pour nous commencer à voir qui Jean Sébitain là, ça qui est changé. Nous avons un qui est important, dans tout grand changement, dans nation, toute nation qui t'y nie, toujours ni mouvement culturel, qui a roulé avec changement là. Dès le mouvement culturel là, qui a vint devant changement là, ça. Peut-être c'est pour ça ni tout ça artiste dans l'ANG aussi. Peut-être c'est pour ça nous avons tellement artistes qui a reconnaître nos mouvements là, ça. Parce que nous savons que c'est nous qui pouvons payer là en main aussi. Nous ni pouvons porter grandement nous aussi. Pour tout ça peut trouver un autre visage, pour Guadeloupe peut prendre d'autres couleurs encore, et pour nous commencer à respecter nous. Qui nation là et qui c'est artiste là qui a dans nation là ça? Parce que nous savons, artistes, dès ces derniers petits cacachiens, nous crier yo parce que nous, voilà, ni un gros meeting, un gros bitin, bon, faut nous, ni un petit moment musique, pour ces mouna, pour ces mouna poser, pour ces mouna pe aille prendre la goutte, pour y'a pe rouvini, puis concentrer, pour, enfin, au moins, pour y'a pe tendre faire un discours là. Ici, dans, pas qu'on ça nous avons ça. Ici, dans, nous n'avons l'impression, nous n'avons plus bité à dire qui ça. Et c'est ça que nous commençons à faire. J'entends Laurence expliquer ce talent là, tout ça nous j'a ni l'intention faire. Tout pendant, enfin, pendant des mois et nous pour cofine, nous cabéchia, c'est tout ça nous peut faire. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait encore dans tout ça. Quand on peut rajouter, ah oui, on ne peut pas parler de ces mouvements qu'il tirait là qui capotaient tout bité. Gros cas et créole. C'est normal. Qu'est-ce qu'on ne peut pas parler créole en télé là comme ça? Ça n'a pas été possible avant. Gros cas là, ou pas qu'à jouer ça comme ça. Ou qu'à garder tambouillé, consisté des vieilles malvéras. À pas ça, à présent. Parce ni mouvement qu'il tire, ni mouvement alite, ni mouvement indépendantiste qui vient chouquer qu'il tient en nous. Tout ça, c'est important. Il faut nous continuer à travailler là, ça. C'est pour ça, nous là. C'est pour ça, nous là, c'est ça, nous qu'on fait. Et ça, c'est belle pour ces artistes-là, parce que y'a qu'à y prendre fausse, peut-être. Il a commencé à garder nous en d'autres gens, mais pas rien qui pour nous c'est important. Nous dit nous qu'a créé un pôle culturel, une agence qui a mettre tout acte artistique qui est ici en lien âge. Les ça qu'a fait en Lumoun prend plus poids économique. C'est important, poids économique là, c'est important. Nous pas qu'à vivre qui avait musique et l'amour et de l'eau. Ça n'a pas qu'à payer le loyer. On a essayé. Non, nous avons besoin de manger au sérieux pour nous pénir force, continuer à cabécher, continuer à chercher, continuer à faire notre riz, continuer à faire notre danser, continuer à faire notre plaire, continuer à faire notre cabécher. Parce que c'est comme ça aussi le pays qui a roulé. C'est parce que nous avons besoin de ça, c'est ça nous ni, c'est ça nous avons besoin. Mais pour ça, il faut nous travailler. Nous avons besoin de travail. Et pour travailler, il faut nous manger. Ne n'y a pas le comme ça, moi ça a libéré l'esprit en moi. On pas ni à réfléchir à qui Jean, qui joue en cas passé, en cas fait concert là ça jouer, qui moune en cas trouvé pour y faire visuel là bon moins, ben t'as là pas bon, on veut pas y encore, faut nous maintenant ça a reculé vite là de 3 mois. On pas ni ces questions là ça pour poser moins. Et surtout, toutes ces actes là qui caille travail, elle veut moins bon moins, ben yo caille tout bon travail, peut-être pas tenir si pas tenir agence là ça. Et nous toutes qu'à monter comme ça, nous toutes. Qu'à prendre force comme ça. Ça, c'est pour les acteurs qu'ils tirent. OK, vous ou pas, on acteurs qu'ils tirent. Qu'est-ce que ça peut faire que ah, là, prend plus valet. À peine qui a, c'est qu'il tire, nous te quasi t'allais là. Si nous cachons que créole là, tout partout, maman qui sont vieille madame, qui ben, lit ses créoles, il ne peut pas aller. Les qui rentrent dans l'administration, il peut que tout veille pas qu'à comprendre ça, madame Lacadi. Il que tout veille bien. Il y a tout le monde qui a bien, il a occupé des bien, il a tant ça il a demandé bien et il a répondu lui pour qu'il puisse comprendre aussi. Et ça, c'est important. Ces petits mounons nous là, ils nous ont mis qu'ils tient en nous devant. Ces petits mounons nous là, ils ont dit ça t'allait là. Mouna qu'a dans cette éducation là. Les petits mounas savent, oh là, ils sortent, mais ils ont plus choqué encore et ils ont plus équilibré. Ça a fait des mounes, des adultes qui puissent équilibrer aussi. C'est tout le pays là qui a gagné. Les Kilti qu'avancer, c'est ça nous voulons. Ni on a fait un drapeau en nous, ce qu'ils voient plus souvent aussi. Ça a fait nous motivation, ça a fait nous force, et ça a fait mon en dehors, qui a gardé nation en nous, qu'on nation. A pas anti-crasi en d'autre côté.
son nation qu'il faut. Joël Nankété qui a dit nous dernière fois là, il a fait en biennale. Et c'est là il dit en ces moun Guadeloupe, comme on commence à écouter en d'autres gens, comme on commence à garder, ça a été ni à proposer en d'autres gens. Et chaque fois nous qu'a passé et nous qu'a fond à dans la France, nous pas qu'à exister pour ça nouiller. Chaque lettre nous qui peut dire que moun nouiller, c'est moun qui garde nous en d'autres gens. Nous toujours peuple en tout cas disait t'allais là. L'est arrivé, on dit moi pays là trop petit, ben moi en pays peut vivre en pays en moins. Mais pays là pas qu'à arrêter aux frontières de la Guadeloupe proprement dite. Qu'est-ce qu'a opposé nous à plus loin dans le monde entier? Qu'est-ce qu'a opposé nous louer en galerie à droite, acheter en d'autres galeries à gauche, en salle de spectacle ici, voyez tout artiste en nous jouer tout partout. Pour ces mounas savent qu'à Guadeloupe rien qu'à faire, assis t'es Guadeloupe et tout partout assis la t'es. Aïen. Peut-être volonté, mais nous t'y volonté là. Nous t'y volonté, nous raconter six autres pour ben nous balan là, nous qu'est besoin, pour nous faire tout ça, pour aider Guadeloupe monter à travers de Kiltiaï. A pas rien qui Kiltiaï là qui a monté, c'est toute Guadeloupe qui a monté. Ni on d'autres bidons nous parler, c'est la CARICOM, ni on moment, temps, artiste et caliané, vers artiste la Caraïbe, artiste Guadeloupe et caliané, vers artiste caribéen. Ça pas qu'à fait encore. Ça peut pas fait encore. Nous pas tout seuls, nous pas ni pas raison pour nous périter tout seuls. C'est ensemble, nous qu'à marcher. Et les Kilti à Talak et répondre Kilti en nous, ça qui baille plus belle bité encore. Nous-mêmes, ça qu'à continuer ouvrir marcher là aussi. Qui donc, nous qu'à continuer l'y en est, nous qu'à recommencer l'y en est. Et vous m'en à Caraïbe, et vous m'en à tout partout aussi. Tout ça tout dit, en qu'à parler en l'eau, mais j'en comprends. Kilti en nous, c'est fondal en nous. J'ai dit ça, colonne vertébrale en nous. Nous qu'à faire tout ça, nous n'y a fait pour zot pé comprendre qui j'en sais pas important. Et pour nous payer, bazot tous les outils pour zot sentir qu'il dit là ça. Pour zot vivre, pour zot ciser assis, pour zot dormir à dents, pour zot poter, sans même zon y a rendre zot compte, sans même zon y a réfléchi. Qu'il dit là c'est nous, qu'il dit là c'est zot. Nous racontons ici zot, pour zot payer mener Guadeloupe monter. Avec qu'il dit là, Eve Mounaï, Pep Guadeloupe, c'est nous, nous belles. En disant tout à l'heure, on joue un paquet de belles mounas dans le cadre de ce qu'il tient en moi. Guadeloupéen, tout bon. Chômeur. Travailleur. Patron. Autonomiste. Indépendantiste. Nationaliste. Nous œuvrons à l'émergence de la nation Guadeloupe. Pour nos enfants et pour nous-mêmes. Très bien. T'as les lundis autres, Adok Adans Kilti, en jouant pas qu'à ta belle moune. Ben, midi Adans you. Ni Gilles, ni Fabienne. Et peut-être sans oublier dit t'as là, yo qui dit. Peut-être nous qu'aille basant ton tir aperçu à qui j'en nous qu'à travail. Nous qu'à j'en le mardi, nous qu'à parler en l'eau. Et souvent de fois, ni belle idée qu'à sortir dans ça nous qu'a dit. Fabienne? Oui, le mardi, toute la journée. Hein. Au début, c'était des réunions pour 2-3 heures. Quand il y a là, c'est... Non, c'est la journée. Mais c'est qu'il y a un lobité à voir s'il a Kilti, en Guadeloupe. Dans le premier temps, nous nous rencontrer en l'aumône, nous faire un état des lieux. Aussi bien si tout ce qui est diffusion, mais aussi s'il a sa SACEM. En fait, l'objectif, c'est de savoir comment on pourra se débrouiller, comment on peut... On dit qu'on peut faire, on peut construire la Guadeloupe par nous-mêmes. Mais pour ça, des gens ont travaillé avant nous. Et puisqu'on n'est pas les premiers, il est important de faire attention à ce travail qui a été fait. Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi c'est peut-être plus dans le silence? Et voilà, c'est surtout ce travail-là qu'on a fait en première partie afin de pouvoir dégager des solutions, faire des propositions à court et moyen terme. Ça. Ouais, c'est ça nous fait et ça a été très intéressant dans la mesure où on était rencontré des personnalités de la culture qui étaient à chaque fois venues mener un point de vue très spécifique en essayant qu'à faire. Et rapidement, nous on nous compte que ni un lot point qu'à rejoindre, même si c'était des centres d'intérêt qui étaient différents et des points culturels qui étaient différents, qui c'est musique, qui c'est cinéma, qui c'est théâtre.
qui c'est l'odeur de bitin, nous t'écanis les mêmes discours à peu près. Mm-hmm. Donc ça donne nous vraiment la possibilité d'établir en canevas si qu'a nous besoin en Guadeloupe, qu'a nous besoin en termes de culture, qu'a nous besoin en termes d'infrastructure culturelle, qu'a nous besoin en termes d'industrie culturelle. Et c'est vrai que grâce à travailler là ça, ça va permettre nous de vraiment boucoter, de vraiment réfléchir, de vraiment travailler en profondeur si ça nous voulait en fait. Oui, nous constatons plein bitin qui a manqué. Nous pas ni bon côté pour nous créer. Ouais. Nous pas gagné côté pour nous diffuser ça nous a créé. Ouais. Et pourtant ni un paquet de côté qui était fait pour ça, qui a disparu, qui a nous a fait nous. Oui, et qui a friche aussi. Et ni des côtés qui t'a payé sa vie et qui pas qu'à sa vie. Uh-huh. Et ni des côtés qui t'a payé mettre pis en valet, qui pas en valet. Donc, qui genre nous peut faire ça? Peut-être que sa vie. Ah oui, ça, c'est peut-être ça. Peut-être nous peut faire sa vie, ça, oui, ces côtés-là, tout ça. Tout à fait, parce que ça qui est important pour nous, c'est quand on dit aller là, c'est que culture, c'est ça nous y est. Et si vous voyez, nous, c'est un département, effectivement, ou en tout cas, un pays, en tous les cas, qui n'y a le culture, qui n'y a le valet, il faut nous savoir mettre en avant. Problématique en nous, même gens qui n'y a l'eau création d'entreprise et n'y a l'eau perdition d'entreprise, n'y a l'eau créateur, mais pas n'y a l'eau espace de création. Donc, il faut nous mettre en avant les dynamiques pour changer ça. Uh-huh. Ouais. Et surtout, nous savons que si nous apprenons juste côté artiste, nous savons que ces artistes-là ont besoin de créer, puisque malgré tout, nous attendons, nous voyons et nous produisons en l'eau belle vitin. Donc, quand vous avez fait, si vous avez mis tous les moyens, c'est tout ça pour nous pédier. On n'a pas qu'à l'idée. Hein, mais c'est vrai, ça belle de voir que, même si nous patinons, nous j'ai qu'à faire l'eau et ça belle, nous savons, artiste Guadeloupe a fait un paquet de belles bites. Absolument. Donc, ça, quand ça t'ébaille, si nous tout t'épais, tout ça nous t'est arrivé, en cas pensé, ça t'est échiré des trois mondes. En cas profiter pour dix autres, demain au souhait, ou à 8h, ils ont payé connecté à ces réseaux-là parce qu'ils ont un bel concert, non, et c'est nous là, ils ont un bel concert pour nous payer. Ouais, bah, cette vision, peut-être, Alice, nous, à travers des artistes, de beaux et grands artistes. Sans j'ai connecté pour garder ça. Donc, il y a des gens qui ont posé nous des questions, il faut nous aussi répondre à ça, Yokati. Quand vous voulez ça. Donc, il y a Lila qui m'a demandé, donc, en cas dit, ça y est écrit, à mon avis, pourquoi ne pas offrir un projet culturel basé sur les fondamentaux avec la mise en place d'un réseau transgénérationnel en ce qui concerne nos légendes, contes, traditions, la connaissance des différentes régions et de la Guadeloupe, etc. Mm-hmm. Bon, on bien aimé projet là ça, nous tellement projet en tête en nous aussi, ta label, quand tu veux ta label. Nous bêché assis, c'est qui gens nous transmettre ça qui est en nous, qui gens nous transmettre qu'il dit là. Tu as là. Cadence éducation, t'es capable d'aller. T'es capable d'aller des outils. Ces outils-là, c'est important. Et nous savons, nous permettons des outils derrière. Livres, flumes, musique. Ni tout ça qui est important. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire ça, en tout genre. Et il faut nous impliquer toute qualité acteur dans ça. Et nous, d'autres bitins qui sont importants pour nous aussi, c'est qui nous a marqué, qui nous a gardé, qui patrimoine, qui archive en nous, qui a disparu. Parce que nous n'aimons pas aller. Nous ne pouvons pas marquer en l'eau. Nous ne pouvons pas marquer assez. Pour nous continuer à marquer. Effectivement, il y a une problématique de référencement. Nous rencontrer comme Nathalie Hinault, qui nous plus a présenté dans le milieu artistique. Mais donc, il dit quand même son critique d'art. Son critique d'art, et qui a organisé aussi des expositions. Et qui était qu'à dire nous que la problématique qui est dans le milieu précis de l'art plastique, c'est ouais. qu'il a manqué catalogue, qu'il a manqué référence, qu'il a manqué. Des sorties vers des portes d'extérieur, une porte vers l'extérieur en fait, hein, pour les ouvrir en étranger qui a dit tiens, quand il est en Guadeloupe, puis il a été gardé qui exposition qu'il a fait, c'est important. Et là, au panier catalogue ou panier cote non plus, qui veut dire tableau, qui a coûté moins cher et vous qui a gagné moins l'argent aussi. Tout à fait. Donc c'est pour ça que nous avons réfléchi petit à petit et nous commençons maintenant à l'entour en l'idée, c'est de créer une structure, une seule grande structure culturelle. Nous créons, c'est ça qu'a passé. Mais c'est important pour nous de créer une structure pour que un artiste qui a démarré ou un artiste qui gère en place peut trouver en fait les moyens, les voies et moyens pour y créer. Pour y créer, voilà. Pour de savoir qu'il a créé. Voilà.
et pour yopé vin voué qu'a capoté, pour yopé acheter ça a capoté, pour yopé écouter, qu'a jouer, pour yopé pour population là aussi, pour peuple là aussi, pour monde venir aussi, peut savoir qu'a qui qu'a fait en Guadeloupe, à part du bouche à oreille, à pas rien qui ça qui qu'a marché ici. Mais je pense aussi que par rapport au fait aussi qu'il y ait beaucoup de décrochage scolaire, là on a pu le voir, et en plus ça s'est exacerbé avec, la crise sanitaire. Et selon vous, la culture aurait sûrement un rôle pour pouvoir changer les choses, puisque je pense que le manque d'ancrage, on reconnaît qu'il y a quand même un manque d'ancrage sur le territoire qui est enseigné dans les écoles. Et donc, en quoi la culture pourrait faire changer les choses, selon vous? Ta réponse est dans ta question. Si ou pas ça. Si. Moun qui pas entré, c'est moun qui déchouqué. Ouais, qui pède. C'est moun qui pède, c'est moun qui j'appelle, c'est moun qui j'appelle chimère. Fosse et timoun en nous la savo la yosoti. Tenion, c'est Andy qui y a fait en. Nous trouvons nous qui a fait en live. Elle veut en raconter qu'il y a un petit jeune fille à 15 ans qui a dit moi, anniversaire, c'était le 26 mai, hein, qui a dit joyeux anniversaire, qui a dit maman, mi, belle gros date, tout ça, qui qualité de date et ça, et qui a dit moi, oui, oui, mais c'est l'abolition de l'esclavage, mais c'est le 27, mais le 26, qui a dit mais non, pas du tout, le 26, nous avons parlé de mai 67, et là, il a regardé moi avec des gonzies ouverts, à baba, qui a dit quoi? Et pas jamais temps de parler de mai 67 ici. Donc. Après, lui, on y a d'autres élèves qui sont arrivés, et lui, il est 17 l'année, et il attend de parler de mai 67, parce que peut-être sa professeure a dit, c'est cette dernière fois, il n'a pas passé bac ici. Donc. Mais il passe ça pourquoi? Ça ne va pas mal faire. Mais on se rend compte aussi souvent, et je pense que ça a dû faire la même chose peut-être pour vous, qu'en partant, qu'il faut qu'on parte aussi pour se rendre compte de la richesse de notre île. C'est vrai. Et ça, c'est dans tous les sens. Mm-hmm. Quand on revient, on est beaucoup plus impliqué. Je n'ai pas le souvenir d'avoir réellement entendu parler de mai 67 ou de m'être vraiment interrogé sur ça avant d'être parti et d'être revenu. Ouais. Donc, je pense qu'il y a ce travail. Et puis, je me rappelle, alors je ne sais plus à quel moment elle a dit ça, mais justement, Meryl de la cadence de la mouvance jeunesse disait aussi que c'est quand elle est partie qu'elle a eu envie de s'intéresser à sa culture, à sa Guadeloupe. En fait, le fait peut-être d'être loin, ben, on cherche tout ce qui pourrait nous identifier à notre île. Oui, et alors est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un moyen d'avoir déjà tous les pôles d'identification possibles et imaginables avant de partir? Oui, ça serait on pas riche dans les écoles. Voilà. Oui, ça, c'est les écoles, les centres. La cadence éducation, je disais ça tout à l'heure. Le fait que dans les programmes, même de l'éducation nationale, notre culture ne soit pas vraiment au centre. Mm-hmm. Ou en tout cas, elle n'existe pas. C'est des professeurs qui ont fait marron pour apprendre ce qu'on a là au sorti. C'est ça. Ni ça. Donc, effectivement, là au sorti, il y a donc un sous-scolaire et au parc, on est tous à ouiller. Effectivement, on peut tenter de y aller. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'industrie qui peut y avoir derrière. Je dis là, on gêne les sorties dans le système scolaire là. Pour lui, c'est soit il a parti en France, soit il y a un diplôme universitaire, soit il est rentré dans une filière professionnelle. Et Nissa qui est 7 ans, il y a peut-être du travail non plus. Exactement. Or, on a des petits monde qui ont des talents. On a des petits monde qui ont vraiment un talent et alentour à eux, il n'y a pas qu'à voir qui gens peuvent utiliser ces talents-là ça pour vivre. Donc, si demain, il y a tenu la science, qu'effectivement, ce talent-là, ça, il peut mettre à une agence, à une structure qui permet de vivre de ça demain, eh bien, peut-être qu'elle n'est pas qu'à la vie là. Oui. Voilà. Mais il y a aussi un grand travail, c'est les parents à café, puisqu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont dans les actions culturelles, dans le carnaval. Mm-hmm. Les groupes à masse font quand même pas mal de travail sur ça, sur sensibiliser au-delà. D'ailleurs, pas mal de groupes disent qu'ils sont plus des mouvements culturels. Voilà. Mouvements culturels. Il y a le travail que Vukuma a fait récemment, d'ailleurs, dans les jardins de l'archipel. Où on interroge vraiment sur nos us et coutumes, sur comment faire passer le message en fait auprès des enfants. Et voilà, ils utilisent leur façon de mettre en place, d'impliquer réellement les gens dans leur histoire grâce à une mise en place de scénographie dont bon, Vukum, là j'ai pris l'exemple de Vukum, on connaît le talent. Quoi. Et là, il faut généraliser ça désormais. Oui. Et il vaut mieux l'ancrer, rajouter à tout ça un ancrage dans le programme scolaire oui, parce que personne ne passe à côté. Non. Il faut pouvoir participer à ça. Ça peut aller plus loin.
ça peut aller plus loin parce que nous t'es qu'à dit aller là que c'est la valorisation aussi du patrimoine. Je dis là, est-ce que ces timons là qui a passé la pointe ou qui a passé Saint-Claude ou qui a passé Moule, est-ce qu'il y a une conscience que nous avons l'obité qui j'ai faite à d'un pays là? Est-ce que les sorties pédagogiques qui fait au niveau à l'école là, ou même avec les mouvements culturels, mais est-ce que ça suffisant à quoi? Est-ce que ça suffit pour que un timon ait pleinement conscience de ce qui passait dans les territoires, en dehors de l'esclavage, parce que pas nier qu'il y a l'esclavage qui passait en Guadeloupe, ni d'autres bités qui fait. Et donc, ça permet d'expliquer là nous y est aujourd'hui là et qui j'en nous y est. Donc ça aussi, c'est un travail que nous, Jacques Abichandé, que nous mettons en place, c'est de mettre en place des parcours mémoriels, c'est de mettre en place des manches pédagogiques pour que, eh bien, qui t'y moune, qui grand moune, en fait, peut ça apprendre là où sorti. Clairement, apprendre là où sorti et porter des mains éventuellement dehors, ça y est. Vous ne pouvez pas de modestie là. Non, nous pouvons mettre ça en place. Nous pouvons faire un bel bitin le 27 mai. Ou pas mettre devant un bel bitin le 27 mai. Modestie, ah, d'accord. Nous faisons une belle randonnée. Gilles fait nous fait. Laissez-moi dire ça. Gilles fait nous faire une belle randonnée le 27 mai. Nous suivons toute trace à Delbrest, tout partout. Nous arrivons juste si tu as d'anglement. Et nous tout plairons parce qu'un dit, je vois qui j'ai, je tonne qui j'ai un dit, qu'a déclamé un texte allé là. Eh bien, il fait même bitin là, je vous laisse ça. Voilà, merci pour ces bitelles à ça. Oui, et oui, nous avons déjà commencé le travail. Merci un pile, mais ça pas moins seulement. Katia a dit ça quand même. Nous étions toute une équipe qui a organisé ça. Et effectivement, c'était une équipe première. Mais c'est vrai, et merci pour Wendy, parce qu'effectivement, il fait nous tout plaisir. mais ça, nous retient de ça véritablement, c'est que la plupart des gens qui sont là, viennent dire nous, ils ne connaissent pas connaître ça. Et personnellement, ça grave, là, regardez bien, qu'en 2021, les faits que nous avons vus, qui sont très connus quand même, qui c'est Moa Delgrès, pas n'y a le monde qui connaît ça. Donc, effectivement, oui, nous allons mettre en place un projet mémorial à niveau de ça, pour que le maximum de monde, petit à petit, puisse comprendre non seulement où l'a eu sorti, mais où l'a ça passé. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que, là, okay, par exemple, nous avons des références dans d'autres pays, même dans la Caraïbe, l'idée côté, on ne peut pas couper pied bois à ça, parce que pied bois à ça, ben, il servit en bitant dans l'histoire. Est-ce que nous avons ces exemples-là à côté ci? Ni des côtés où que passer, ni des plaques, effectivement, ni des statues. Mais est-ce que nous avons un travail pédagogique qui fait à un niveau-là, ça? Voilà. Ben, comme nous avons parlé en 7 ans, il y a Wakili qui pose une question, à savoir. Est-ce qu'on a un projet au niveau culturel, au niveau de la culture, sur la mise en avant de la spiritualité de nos ancêtres africains, par exemple le vaudou? Alors, ça, nous t'es qu'à dire, ça on dit là, on commence, c'est que Kilti sont pas qu'être habitants. Et oui, ces gens-là nous qu'à vivre en moi, ces gens-là nous qu'à vivre la vie, ces gens-là nous qu'à vivre en nous. Et tout ça, ces gens, c'est qui l'esprit, en qui l'esprit nous qu'à vivre, qui fait dire spiritualité, tout bonnement. Nous pour, alors nous pour, nous j'a roulé en l'eau, mais nous pour fin rouler. Nous décidons de nous construire en Guadeloupe, c'est et ça, j'ai compris Guadeloupe à pitié. Qui veut dire, nous ni on paquet côté, on paquet la réelle pour nous péjeter, cabéchage et réflexion en nous toujours. Et nous poco décider tout biter, mais affaires spiritualité là, est très 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 important pour nous toutes ici dans. C'est, il y en a dans ces fondales en nous aussi. Là, il y a Thierry Cointre qui demande, hormis la culture de masse, financièrement, comment on peut aider les parents pour les activités culturelles parce que bon, ben, ça a un coût et que. Donc, je crois qu'on avait travaillé aussi sur, passe culture, sur ça. Oui. Ben, déjà, le passe culture qui est déjà tout à fait. Mis en place. Est-ce que tu veux plus qu'à ça, le passe culture parce que, ben, nous qui aider ces familles-là, nous qui aider des familles qui n'ont pas ni les moyens. Vive Kilti là. Donc, Redeyo, Aïvoué Concert, donc Redeyo, Aïvoué Evel Agent, Aïvoué en exposition, donc Redeyo participer à dans prochaines randonnées, nous avons qui mettent en place là. Et c'est bien là ça. Oui, bon, toutes gens nous savent, il y a qu'à créer ça la fracture sociale, il faut nous réduire la fracture sociale aussi. Il faut nous réduire la fracture culturelle, en l'occurrence. C'est important. Thierry parlait de culture de masse. Nous travaillons pour la Guadeloupe, nous pas travaillons pour les gens qui n'ont pas l'argent en Guadeloupe, nous travaillons pour la Guadeloupe. Et nous avons dit ça, tout le monde c'est le monde qui donc nous fait tout ça qu'il n'y a fait pour tout le monde peut plonger dans Kilti. Mais alors pour aller plus loin, pour rebondir sur ça au cas dit là, pour mettre en place une structure d'aide pour les gens qui vivent à Kilti, il faut qu'en amont,
Jani, toute une filière qui est en place. C'est pour ça qu'on est revenu dans le sac. Il faut Jani, une structure qui est capable de récolter un certain nombre de fonds, hein, issus de la culture, pour ça, à la fois financer les artistes, mais aussi aider les gens qui voulaient aller voir qu'ils disent. Donc, nous avons échangé ça, et ça, nous, qu'a proposé, c'est création d'un organisme en fait, qui était taxé sur les droits d'auteur. Pour que nous puissions récolter ce bon argent, alors ça, nous-mêmes, nous avons fait. Comme ça, ça a fait un supplément de revenus pour les artistes, mais aussi pour peut-être aider les gens qui veulent, et aussi, pour le coup, abaisser le droit à la culture, l'accès à la culture. C'est ça qui est important. On est plus facile pour tout le monde. Merci. Donc, une autre question. Je crois que le sujet pour est pour facile. Nous pensons, c'est ça, donc bien content. Bien on est temps, donc continuer. On va aller. Kémi, qui est d'ailleurs un fidèle, hein, j'ai vu qu'il nous a suivis depuis un moment, qui demande c'est quoi la vision pour le Centre des Arts. Tiens, mon regard se tourne vers Andy. Est-ce que nous Jacques Abaye tout? Non, pas Abaye tout. Alors nous carry ça, excusez-nous, nous carry ça parce que c'est un sujet qui j'avais une plaie fois à l'étable. Parce que nous, en cadence qu'il dit, ça capable de nous un peu inacceptable. Que meilleur centre des arts que nous ni jusqu'à l'heure actuelle, eh bien, il fermait depuis 12 ans, 11 ans, il y a travaux. C'est ça. Et effectivement, nous réfléchissons à une solution pour savoir qui, Jean, nous peut mettre en valeur. Alors, nous payons des autres plus qui sont là. Mais nous, j'ai réfléchi à ça parce que nous, qu'a dit nous, d'une part, que toute une génération à Guadeloupe, voire plusieurs générations européennes qui ont vraiment ni un rapport presque affectif avec le des arts. Et de l'autre côté, ni aussi la nouvelle génération qui ne connaît pas ça du tout et pas connaître l'impact à grand bâtiment là qui va passer devant là tous les jours. C'est ça. Et donc, c'est vraiment l'idée de remettre ça en valeur, de prendre possession à Bidel. Oui, il faut nous prendre possession à tous ces lieux culturels-là. Nous ne sommes pas l'étaler là. Ce désert-là est important. Symboliquement, il est très, très important. Nous savons ça bien. Et nous ne pouvons pas faire considérer ça pas rien que nous ne pouvons pas trouver bon gens pour nous sauver le centre des arts. Qui donc, nous, j'ai réfléchi à ça, nous, j'ai mis deux, trois petites idées, et d'autres qui savent, grand bonnet. On peut garder ça avant nous toujours pour le moment. Par rapport au créole, Kémi, toujours, dit que beaucoup de personnes, beaucoup de Guadeloupéens ne savent pas lire le créole. Donc, par rapport à ça, est-ce que ça ne serait pas trop handicapant? Est-ce que ça ne représenterait pas un vrai handicap pour la culture? Je ne pense pas. Ce dont on parlait au début, c'est la co-officialisation créole-français, qui donc continue à voir français, tant qu'il vous pouvez comprendre créole là. Et puis, à force voix créole là, maquée en basière, on n'a qu'à penser au film pas avec qui j'en poulie, nous dit aussi qui j'en nous besoin, chouquer qu'il t'y a dans l'école. Qui veut dire qu'il y a créole en l'école là aussi. Donc, qui apprend, lit et écrit créole. Et ou qui est en lit créole là, ou qui est en lit, qui rentre en dedans, on n'a pas besoin d'apprendre lit, si c'est à son tabou, apprendre lit. Ou qui est en lit, ou qui prend, ou qui est valé, ou qui est sorti, ou même qui voit à quel moment. Ah, quand même, on dit quand même si c'est encore dit là, parce que. Parce qu'on ne trouve pas qu'à y assez loin. Exactement. en dehors de ça, si nous avons un capes créole, qui peut exister. Oui, en tout cas. Faut nous rappeler, nous, qu'avant nous arriver à ce stade de capes créole là, il y a l'eau. Combat qui menait pour que créole arrive là, il est là. Oui, en tout cas. D'accord. Si je dis jour ni créole, les panneaux de signalisation et à caracci aux autres panneaux, ça tout partout en France. Eh bien, c'est parce qu'il y a des combats qui fait. Et dans un combat là ça, t'es déjà ni un combat linguistique pour savoir qui gens pour marquer, qui gens pour. Donc c'est une évolution. Alors effectivement, ça toujours meilleur d'apprendre et de ciser pour marquer. Mais pour ciser pour apprendre quoi? Donc avant nous te dit que nous allons apprendre créole. C'est ni autant qui était nécessaire pour nous savoir qu'est-ce que créole, qui j'en pour maquiller, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Ça, c'est très important. Oui, ils m'ont décidé qui j'en ai maquiller, ils m'ont décidé qui j'en ai fait, m'ont apprendre lui aussi. Et nous n'avons tous ces outils là ça, qui ont servi toujours. Et c'est qui j'en nous mettre à disposition à tout Guadeloupéen qui était voulu apprendre créole. Et la restante qui n'a pas été voulu faire effort là ça, il y a qui a béni en créole là.
Même j'en ai eu qu'à bénir en français ou pas si c'est pour apprendre par les français ou connaître français là. Mm-hmm. C'est même bitin. Mais on peut dire aussi que ce changement s'est fait aussi grâce à ces acteurs culturels qui se sont battus depuis un bon moment. Parce que souvent on aime dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, que tous les combats ont été perdus. C'est faux. Depuis mai 67, voire avant, on est tout le temps en train de revendiquer la même chose. Mais en fait, culturellement, il y a eu des réussites. Le fait que, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, que le croca soit bien présent, le créole aussi, le tambour. Mm-hmm. Je pense que presque toutes les maisons ont maintenant un cas, même s'ils ne savent pas jouer. C'est clair. Prends le tambour. Alex Bordou, tu as dit ça, ni deux jours. Si vous voulez avoir aujourd'hui joué ni créole qui a parlé la télé, c'est un tambour qui est développé, c'est parce que la lutte indépendantiste nationaliste servit avec ça à un moment donné pour chouquer Adam. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est en continuité, je dis là. Et je dis là, nous toutes fiers de ça. Oui, toutes fiers de ça. Sûr. Donc, au niveau des questions, on s'y perd parce qu'il y en a tellement. Le pépé répond aux autres. Ouais, non, on ne pourra pas. Pas au soir, en tout cas. Voilà, pas ce soir. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux. J'essaie d'en prendre une. Ah oui, le lien entre la formation et la culture. Donc, c'est Vanessa Cato, Demetrius, qui dit que le lien formation et culture art, le conservatoire de Guadeloupe, il est temps d'offrir un espace de perfectionnement et de libération des talents. Absolument. Oui, oui, oui. C'est la voie sur laquelle on est. On pense à une maison de la culture, une maison des arts, dans laquelle on va pouvoir apprendre à jouer toute espèce d'instrument, à pratiquer toute espèce d'art. D'ailleurs, je parle beaucoup de musique parce que c'est mon domaine, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a apprendre à écrire, apprendre à lire, parce qu'on ne lit pas comme ça toujours. Voilà, on peut apprendre à lire et sentir les subtilités de ce que nos auteurs, qui fourmillent d'idées et de talents, déposent dans leurs livres. Apprendre à écouter ce qui se passe, apprendre à regarder un tableau, le dessiner soi-même, etc. etc. Proposer à nos petits déjà, de rentrer, de toucher à la culture et à l'art de ces façons-là. Mais surtout, les suivre tout au long de leur carrière, s'ils souhaitent en avoir une, en mettant à leur disposition de véritables professionnels. On a toujours ces questions d'enseignement de la culture, mm-hmm. où on déplore de ne pas avoir suffisamment de personnel diplômé, ou pas suffisamment qualifié, en tout cas, en fonction du regard de l'autre, celui qui jusqu'à maintenant nous délivre les diplômes. Il y a aussi un travail à faire sur ça, pour légitimer tous nos acteurs culturels, notamment les enseignants. Et dans cette maison des arts, on prévoit d'accompagner des apprenants, si je peux dire ça comme ça, en tout cas des aspirants artistes, et puis tous ceux qui voudraient avoir accès à la culture, du tout début jusqu'à très très loin dans leur carrière. En tout cas, elle est là que ça a été important pour nous de Nyon Industrie, et donc sans conservatoire, donc sans formation, mm-hmm. on ne peut pas nier l'industrie. Nous avons bien vu qui bénéficie l'autre beau Martinique, Trappé, avec Sante M. Zéola. Donc, il y a manqué ça en Guadeloupe, effectivement, en côté où on peut accompagner les jeunes ou les moins jeunes qui font former eux. Mais pas que, parce que nous n'étions pas de problèmes structurels, qui a manqué des salles, qui a manqué des lieux de concert, qui a manqué des lieux d'exposition, qui a manqué des lieux de création. Mais ces lieux-là, ça ne peut pas tourner si vous n'avez pas ni les techniciens, si vous n'avez pas ni les mondes qui savent faire tourner et qui qualifient surtout pour bas public-là, en fait, le meilleur rendu possible. Et donc, tout ça sont celles filières pour nous mettre en place dans la province. Bien d'accord. Mais tu as pris l'exemple C'est bon, il nous reste un peu de temps. Mmh. Ah, d'accord. Bon. Bon, juste en tout cas, il serait intéressant de dire que la culture est un élément fondamental pour le développement économique de la Guadeloupe. Et c'est ainsi qu'on travaille, parce que c'est souvent le parent pauvre. Le parent pauvre, voilà, de la société. Mais avec toute l'avancée qu'on a vue, tout ce qui est mis en place, malgré le peu de moyens, cela prouve bien que on peut miser sur la culture. On va pour miser sur la culture. Non, mais on mise sur la culture pour développer notre économie. Nous peut rayonner au niveau mondial. Mais you can! Mais nous. Il faut nous mettre les choses en place. Bien sûr. Kenyon Lee en âge avec la Caraïbe déjà, mais ensuite, c'est pour le monde. Nous qu'à y faire tout de suite en parallèle. En même temps. Nous qu'à arriver à bout. Bon, c'est bien jeudi là, au soir là, c'est que c'était dernier e-meeting là pour nous TP présenter les autres programmes à nous. Nous bien contents. Nous qu'à finir la semaine là, ça, grosse semaine.
semaine là ça. Merci tout le monde, merci les techniciens, merci moun, tous les métamonioc qui mettaient ça du bout. Oui. Moi chaque fois regarder ça, waouh. Wow. Merci Vanessa qui a traduit. Ah oui, ça nous a dit en langue des signes. C'est ça. Merci TX, merci aux autres qui là. Merci aux autres qui suivent nous aussi. Bon, eh ben, vous pouvez continuer, suivre nous. Oui, j'ai dit Vanessa. Oui, oui, j'ai dit merci Vanessa pour la traduction en langue des signes. On va dire assez fort. Oui, parce qu'il y a dans toute cadence qu'il t'y a pas à ce plateau-là, mais toute cadence qu'il t'y a là, Evan, ouais. Voilà, c'est clair. C'est clair. Et puis bon, ben, merci au Boula, au Maquet, à tout le travail. Merci à nous, quoi. Oui, merci à nous, voilà. Merci voilà. À nous. Ça résume très bien, les choses. Ça peut qu'offine. Nous, quand continuer, nous, qu'est continuer à jouer les autres tout partout, qu'est ni des rallyes, nous, qu'est ça des rallyes, nous, qu'à promener en toute la rue Guadeloupe. Pour nous venir joindre Zot, pour nous venir parler bas Zot, pour raconter Zot qu'à nous voulons, pour payer en nous, quittant nous, et pour, parce que nous avons espéré Zot qui suivent nous dans un grand défi là ça. Nous avons compté Zot le 20. Depuis le 20, je ne vais pas attendre trop de tabarri pour nous là. Nous avons attendu Zot le 20, hein, en nous aller. Votez-nous. C'est ça. Votez-nous. Votez-nous. Nous avons attendu Zot, votez-nous. Donc nous, Kenny, c'est rallye là. Et quand vous dites ça, demain, il y a un concert. Pas raté concert là, ça. Quand vous dites ça, hein, vite là, on a fait. Hein. Pas raté. 8 heures de soir, demain, nous là, nous qui est là, en télé azote. Pareil, pas de feuille azote aussi. Hein, parce que vous savez, pour qu'on ne la mâcher, il faut avoir un outil. Mais ce n'est pas nous, Zokabel. C'est nous toutes. Yeah. À tantôt. Merci, on pile. Merci, Fabienne. Merci, Jean. Merci, Zot toutes. À tantôt. Nous, Guadeloupéens, toutes beaux. Ensemble, pour gagner, pour nous mettre ensemble. Faisons nous dans celle combat. Ensemble, chômeurs, travailleurs, patrons, autonomistes, indépendantistes, nationalistes. Nous œuvrons à l'émergence de la nation Guadeloupe, pour nos enfants et pour nous-mêmes. I have a dream. La Guadeloupe aura de la pluie et du soleil. Je le vois aussi comme un endroit qui peut être très moderne. Le travail des Guadeloupéens soit reconnu dans tout le monde. Pour les personnes qui n'ont pas assez d'argent, bah, faire un peu plus de bénévolat. Pour qu'on soit un peu plus autonome ici, pour qu'on ait notre propre président. C'est pays Guadeloupe qui vient. Construit Guadeloupe. Nous qui aux élections régionales en juin 2021.